idées de solutions réelles, qui sont des solutions qui sont entre les mains du peuple et non pas du gouvernement et des sociétés. On n'est pas obligé de demander la permission au gouvernement et aux sociétés pour faire des changements dans nos vies. On a ce pouvoir-là, nous autres. Mais pour profiter de ce pouvoir-là, il faut être conscient. Il faut prendre des décisions. Il faut être cohérent. C'est ça qui est difficile, c'est ça qui manque aujourd'hui. Salut Daniel. Ça commence à rentrer. Salut tout le monde. Humpty Dumpty Ray fait un nouveau live pour vous. Oh les tout qui prend carte. Salut mon Dan. Salut Lisette. Salut Chantal. Bon, on vient de vivre un grand moment. Oui, on vient de vivre un grand moment. D'une perte de self-control. Oui. Tu sais, dans la vie, salut Lynn, salut Chantal, oui, mais tu sais, dans la vie, il faut garder son self-control. C'est pas toujours évident, mais quand on est en live, péter des coches comme on vient de voir. Salut Sylvie, salut Mireille. Hey, Mireille qui est là à l'heure. Tabarouette. Je pensais jamais voir ça de ma vie. Salut André, salut Michael. Salut Chantal. Donc, dans la vie, il faut garder notre self-control. Pourquoi? Premièrement, ben, ça nous évite de dire des maudites niaiseries. Salut Marie-Josée. Ouais, un vrai Dan The Rock dans son meilleur. Salut Tony. Ben, moi aussi, je suis content de vous voir en live. C'est super gentil d'être là présentement. Donc, je vais vous mettre une petite mise en situation, OK? Puis après ça, on va se faire un beau... Salut Francine. On va se faire une petite mise au point pour avant de commencer le live, comme il faut. Là, j'ai bloqué Marco. Je vais le débloquer tantôt. Mais je voulais pas qu'il se mette à m'envoyer un paquet de Messenger en furie et blablabla. Salut Sylvie. Toujours, sinon, on fait un fou de nous, on vient d'en avoir un exemple. Exactement. Je viens de lui dire qu'il ne sait pas tout. Je lui ai dit qu'il s'en prend à des jeunes et que dans un live. Il ne veut rien savoir de ça, Chantal. Ça ne l'intéresse pas de savoir ça. Ça ne vient pas de son narratif à lui, donc il n'y a rien de bon là-dedans. Donc, j'ai bloqué Marco parce que je ne voulais pas avoir un paquet de messages sur Messenger pendant que je faisais le live ou qu'il vienne écœurer le monde pendant qu'on faisait le live. Donc, je vais le débloquer tantôt. Ce que je vais commencer par faire, je vais vous faire écouter les derniers vocaux depuis qu'on a le 7 février. OK? Là-dessus, j'ai répondu une seule fois. Pour la mise en situation, il faut que vous compreniez que moi, ce que j'ai fait, depuis que j'ai commencé à faire mes lives par rapport à Maroon, la manière que je l'ai fait, que je passe un bout, que je l'arrête, que je fasse mes commentaires, que je continue. Je posais des questions au monde de savoir, « Hey, comment vous avez trouvé ça? » Parce que si on m'aurait dit, « Ah, oh, tu sais, tes commentaires, man, si on trouve ça long, c'était pas nécessaire, ou « Ah oui, on aime ça, mais on aurait fait ça comme ça. » C'est juste une question pour m'améliorer. Donc, ça, c'est la mise en situation de comment les commentaires ont commencé, les vocaux. Donc, je vais vous faire écouter genre 5 ou 6 vocaux. Là-dessus, il y en a juste un.
Vous allez comprendre pourquoi avec la mise en situation que je viens de vous faire. Donc, on va commencer ça maintenant. Salut mon Raymond, comment ça va? Ben écoute, je te donne mon avis personnel, bien sûr. Premièrement, des lives de 4 heures, là, gros. Moi, je trouve ça bien trop long. Hein. Pourtant, j'ai de la misère à écouter 15 minutes, même tout 4 heures, tu sais. Puis 4 heures pour quelque part pour dénoncer la stupidité d'un gars, dénoncer. Je suis plus là, moi. Je suis plus rendu là, vraiment, là. Tu sais, comme, je vais te donner un exemple. Ça, c'est moi, là. Moi, là, j'ai vu la fille, là, qui a dit que Mike Tremblay l'avait parodié, puis les caisses de Jardin, puis le change, puis tout. Puis, tu sais, elle est là, puis elle a dit, « Ah, tu sais, j'en veux pas à Mike, mais, tu sais, le monde dans les commentaires, il est méchant, puis il nous traite de désinformateurs. Mais, tu sais, si vous saviez comment qu'on avait de la bonne info, comment qu'aussi on a de la bonne information. » Donc, si on vient bien entendre, oui, j'ai eu droit aux vocaux répétitifs, sa manière de fonctionner. Tu sais, comment tu peux parler d'un sujet ou ne pas vouloir en parler si ça t'intéresse pas d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé avant? C'est correct. C'est pas qu'il y a des choses qui l'intéressent. On s'en calisse, hein? Tu sais, la vie... Tu sais, la vie, à un moment donné, tu fais qu'est-ce que tu veux, puis t'écoutes ce que tu veux, puis ça t'intéresse pas, ben ça t'intéresse pas, puis si ça t'intéresse, ben tant mieux, tu sais. Donc, mais il nous dit en partant, bah, moi, des lives de 4 heures, de 3 heures, moi, le monde me dit que plus qu'une heure, c'est trop. Ben, t'as le droit, même. Personne t'oblige à faire des lives de plus qu'une heure. Puis, il n'y a personne qui t'oblige à en regarder. Mais bon. Donc, on va aller à mon commentaire de moi. OK? Le seul de toutes ces choses-là. Marco, je sais que tu es rendu ailleurs, que tu veux faire autre chose. Ce que je voulais savoir, avoir des commentaires de ta part... C'était par rapport à mes commentaires à moi. Comment moi, je disais les choses. Comment moi, je faisais ça. C'était pas par rapport à cette situation-là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc, faut toujours offrir à lui. J'ai posé une question par rapport à moi. Pas par rapport à ce qu'il fait ou à ce qu'il veut, à ce qu'il dit, à ce qu'il pense. Non, j'ai posé une question tout simplement. Qu'est-ce que tu penses, Marco, de comment j'ai fait mes lives? Est-ce que pour ça, si c'est un live qui a duré 3 heures, il doit écouter 3 heures? Mais non, il a juste à regarder 15-20 minutes, une demi-heure max, puis de dire, ah, OK, j'ai ou pas, j'ai aimé, j'ai pas aimé, ou blablabla. Bla, bla. Mais non. Fallait encore qu'il revire ça. À me, myself, and I. Moi, Marco Desmarais. On va continuer. Fait que, tu sais, sur le coup, je me suis dit, tu sais, je pourrais faire un live là-dessus, puis dénoncer ça, ce qu'elle vient de dire. Mais, ouais, non, tu vois-tu comment il monte, ou whatever. Puis, je me suis dit, qu'est-ce que ça va faire au bout de la ligne? Ça va attiser la haine. Tu comprends? Le monde va continuer, ils vont rire avec moi, ils vont dire, ben oui, regarde, ça, c'était cette petite crush-là. Puis, c'est vrai que la fille est crush, là, quelque part, hein. Mais tu sais, je suis rendu autre chose. Moi, c'est comme bref. Tout ce qui se fait en ce moment sur l'Internet, c'est de dénoncer de la haine à quelque part. Tu sais, puis qui attise la haine. Ça revient encore des petits groupes qui écoutent un puis qui approuvent ce que tu dis, puis qui vont parler contre l'autre, puis l'autre qui l'approuve, lui, puis qui vont parler contre toi parce que toi, tu dénonces les choses. Ça finit jamais. Ça finira jamais. Moi, non. Quand comme là, il y a Francine qui m'a demandé, là, Marco, tu fais-tu un live? Non, j'ai pas de temps à perdre. J'ai une autre vie, man. Moi, j'écoute mes petites émissions, je me prépare, je fais mes affaires, comme tu sais, là, tu sais, je t'avais conté la vérité à toi. J'ai plein d'autres choses à faire. On est rendu 200 plus tard, même 3 peut-être, rendu là, là. Fait que, tu sais, paf! Moi, les maroons de son monde, whatever, moi, ils m'écœurent pas, je l'écoute pas.
Pourquoi quand je prendrais mon temps à écouter un gars de même pour qu'après ça, dénoncer ses stupidités? Mais ça, il n'y a aucune loi, comme que je dis toujours, que tu n'as pas le droit de le faire sur Facebook. Sur ça, ne cherche pas à me répondre, s'il te plaît. Je cherche juste à comprendre. Tu m'as demandé mon opinion. Je t'ai donné une opinion. Arrive-moi pas en disant, ouais, Marco, je comprends. Et ça, tu viens de m'envoyer un message. J'espère que c'est pas ça. Sur ça, je te souhaite une bonne soirée. Et à bon. Ne cherche pas à répondre, cherche à comprendre. Ça, c'est une tellement une belle phrase qui veut tellement rien dire. Quand tu as une discussion avec quelqu'un, là, on est supposé avoir de l'interaction, tu sais, c'est pas je, ok, je, ok. Mais non, tabarnak, quand tu poses une question, quand tu veux, excusez-moi, c'est parce qu'il y a eu un texto, quand tu as une discussion avec quelqu'un, tu amènes un point, l'autre il répond, il donne un point, tu ramènes un point, mais non. Si tu ramènes un point, c'est parce que j'essaye pas de comprendre ce que tu dis, là. Non. C'est parce que je veux avoir raison. Tabarouette, à un moment donné. Salut, Sébastien. Marco, c'est Marco, hein? Ben, salut, Marco. Il est là. Bon, on continue avec le prochain. C'est ça, je savais que t'allais m'en revenir quelque chose demain. Je peux pas te répondre, et Raymond, tu le fais à ta façon, c'est correct. Je peux pas, c'est correct, parce que peu importe l'opinion que je vais te donner, Raymond, tu vas m'en revenir en me disant, oui, mais moi, je le vois de même. Puis je te comprends, puis c'est correct, Raymond. Moi, je fais juste dire, j'ai vu que le live t'as 4 heures, j'ai vu des lives de 4 heures, puis ça a fait en partant off. Pour vraiment comprendre la situation, faudrait que j'écoute 4 heures à quelque part, Raymond. Puis non, je suis pas motivé à ça. Pendant ces 4 heures-là, je me prive de bien des affaires à cause que j'écoute ça. C'est tout. C'est pas que tu m'intéresses pas. C'est pas que je te trouve pas pertinent. C'est pas dans mes styles de qu'est-ce que j'aime écouter. Que ce soit toi ou un autre, Raymond. C'est juste ça que je veux dire. Fait que prends-les pas mal. Moi, je veux toujours être ton ami. Tu sais, si tu serais pas mon ami pis j'aurais pas confiance en toi, je t'aurais pas dit pour ma job. Je te l'ai dit. Il y a pas beaucoup de personnes qui le savent. Moi, tout ce que j'ai à dire là-dessus, Raymond, c'est que t'as vu, ça a donné un petit coup à quelque part. J'entends plus parler de moi. Puis même Dan qui a fait un live pour dire, c'est pas moi qui a appelé à son club pis tout. Tu vois-tu là? Déjà, ça me donne un indice à savoir qui continue à dire des affaires. Tu sais, peu importe, je peux pas accuser sans le savoir. Mais moi, mon boss m'a montré des noms, là. Me montrer les faux comptes qu'il a écrits, là, que le monde écrivait, puis vous avez engagé un violeur, vous avez engagé un agresseur, vous avez engagé ci, vous avez engagé ça. Le gars fait des lives du club, il monte des danseurs, puis alors que c'était pas vrai. Fait que c'est pour ça que je te dis, moi, à quelque part, j'ai fait un bon move pour calmer tout ça pour ma job, pour mon bien-être personnel. Puis en même temps, ça a donné un petit coup à quelque part pour que Dan fasse un live puis qu'il se justifie en disant que c'est pas lui. Puis après ça, il a arrêté de parler de moi. Moi, c'est tout ce que je voulais. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée, Raymond. Puis t'inquiète, fais ce que t'en fais. Moi, j'ai pas... je trouve rien de bien, rien de mal. Tu comprends? Je suis neutre dans tout ça. Moi, je fais autre chose. Je pensais pas que ça parlerait de la job à Marco. Mais je veux le dire vraiment clair, net et précis à tout le monde. Là. OK? Personne, mais vraiment... personne ne devrait perdre sa job pour les choses qu'il fait sur Facebook. Les lives, des posts ou les affaires de même. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun bon sens. La vie professionnelle puis la vie intime, la vie sur les réseaux sociaux, c'est 3 choses différentes. Et je condamne très fortement les personnes qui ont pu appeler à sa job pour lui faire perdre sa job. Je suis pas d'accord avec ça, mais 100% non. Ça ne se fait pas. Est-ce que sa job lui permet de faire des affaires par rapport illégales?
Non. Non. Puis avoir des commentaires sur Facebook qui soient pour ou qui soient contre, ne fait pas de lui une personne qui n'est pas apte à faire la job pour laquelle il fait. Donc, je le dis haut et fort, ceux et celles qui ont appelé à sa job pour le faire mal paraître, pour pour aller jusqu'à ce qu'il perde sa job, moi je suis pas ben d'accord avec ça. Il risque pas la santé de personne parce qu'il y a des commentaires qui fait pas l'affaire. Ça a aucun rapport. OK? Donc, je vais continuer. Excusez-moi. Non. Ma fille. Donc, pourquoi, Marco, on irait dans ton live? C'est toujours dans ton live, hein? Parce que, je viens de voir ça, excusez-moi. Tu veux toujours aller qu'on aille sur ton live pour une seule et crise de bonne raison, Marco, c'est que tu peux calisser le monde dehors de ton live quand ça fait pas ton asti d'affaire. Ben non, j'irai pas dans ton live pour me faire foutre dehors. Je suis bien dans mon live, moi. Et voilà. Donc, je vais continuer avec le prochain. Salut, Raymond. Écoute, j'avais une question pour toi, Raymond. Pourquoi tu t'acharnes sur Maroon? Le gars, c'est pas un complotiste. Le gars, c'est un esti d'opportuniste, un crise de menteur. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait pour que tu t'acharnes sur lui-même? C'est là, que j'ai de la misère à vous comprendre, là. Pourquoi vous vous acharnez sur tout le monde, de même? Quand on s'acharnait, c'est complotiste, je pouvais comprendre. Parce que, écoute, là, c'est la population, là, on avait un problème dans la population, là. Hein? Fallait avancer. Fallait passer ça. Pourquoi tu t'acharnes sur Maroon, c'est pas un complotiste? Ben, justement, sacrement, je passe à autre chose. Moi, des François Maléga. Ah oh non, lui, François Maléga, c'est spécial. Je peux pas le mettre dans cette gang-là parce que quand il va être débloqué, je vais aller quand même m'amuser sur sa page. Des Carl Giroux, des Samuel Grenier, des Steve l'artiste Charlant, toute la gang de clones plus fait, là, j'en ai rien à cirer, man. Je suis passé à autre chose, moi. Je suis revenu dans ma vie. Donc, parce que j'ai été connu, parce que je dénonçais pendant que j'étais anticomplotiste, faut que je continue ça jusqu'à ma mort. Mais voyons donc, tabarnak. Changer de sujet, tout était dit, tout était fait. Voyons, tabarnak de cette calice. Je pense à autre chose. À part François Maléga. Mais oui. François, c'est mon meilleur, hein? J'ai le droit de faire ce que je veux sur ma page Facebook et ça regarde personne. T'es pas content? Passe à la prochaine page. Va écouter les affaires des autres. J'en ai rien à cirer. Pour les deux derniers vocales, je l'invite pas parce que j'ai pas le goût de l'inviter. Puis, si je fais mon live, puis tantôt, dans son live, il m'a bien fait comprendre que qu'il voulait pas que je rentre dans son live. Il voulait avoir à régler ses situations. Pourquoi moi je le rentrerais dans mon live? That's it. Moi là, ce matin, j'étais très de bonne humeur. J'ai fait comme, hein? Il veut que Jonathan McCrory vienne lui expliquer pourquoi il mettait d'avant Maroon. Parce que ça n'a pas d'allure, ça dure 3, 4, 5 ans, bla 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 bla. Mais ils m'ont pas parlé de moi. Moi? Mais parce que moi, j'ai commencé avant. Puis on a deux manières différentes de fonctionner, moi et Maroon. Moi puis Jonathan. Lui, c'est plus en live direct que moi, je peux pas faire parce que je travaille le soir. Et moi, c'est de reprendre
ces lives pour sortir des commentaires ou des expressions qu'ils donnent, puis de me bidonner, puis de faire comprendre que c'est de la crise de shit. Puis j'ai des raisons sûrement différentes de celles de Jonathan de faire ce que je fais. Jonathan, il représente pas tous ceux qui contestent en parodiant ou en reprenant ses lives. Jonathan est Jonathan. Je suis moi-même. Domsey, House of Rue, fait ses affaires à sa manière. Les voisins gonflables, les poupées gonflables, comment on les appelle maintenant? Ah, les voisins gonflables, Denis et René, font leurs choses à leur manière. Mais il y a de la place pour tout le monde. Je pense pas que Jonathan est meilleur ou pire que moi. Je pense pas que Domsey est meilleur ou pire que moi. Je pense pas que les voisins gonflables sont meilleurs ou pires que moi. Ils font ça à leur façon à eux autres. Puis c'est bien correct comme ça. Et en quoi ça te dérange, toi, Monsieur Marco Desmarais, que je fasse qu'est-ce qui me tente? Je vais te poser une autre question, Marco. Quand est-ce que moi, là, je t'allais te dire, t'as-tu fini avec tes sujets de marde? On est passé à autre chose, puis il y a des affaires plus importantes, puis blablabla, blablabla, blablabla. Jamais, man. Jamais dans le sweet fuck out, jamais. Il y a une seule personne que je te demandais, qu'est-ce que tu fais, man, à continuer à rentrer dans tes lives? Puis là, ben, le nom ne vient pas, là. Mais on sait tout le monde que, tu sais, ça donne à rien de parler avec parce que tu poses une question. Puis au lieu de répondre à ta question, il passe à un autre sujet. Puis quand tu reposes une autre question, là, c'est juste son nom ne me revient pas, là. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire son nom à cette icône-là qui vient toujours dans les lives à Marco pour niaiser? Puis que Marco le rentre en live. À part lui, là. Je t'ai jamais dit ce que tu pouvais faire, ce que tu devais faire ou ce que tu aurais dû faire. T'es qui, toi, Marco Desmarais, pour décider aujourd'hui ou depuis quelques jours que c'est ta façon qui est la meilleure, pis c'est celle-là qui devrait être faite? Fais tes affaires, man, puis je vais faire les miennes. Jonathan va faire les siennes. Les autres vont tous faire leurs affaires à leur façon. Si ça t'intéresse pas, passe à une autre page, puis date, ça. Ah, mais oui, c'est vrai, ça a changé, ça. Maintenant, t'as le droit de dire ce que tu penses ou ce que tu veux. Depuis que tu t'es pogné avec Marc, avec Dan The Rock. Ouais. Depuis que tu t'es pogné avec Dan The Rock. Tu te prends pour qui, tabarnak? Sérieux, man, tu te prends pour qui? The King of the Ring? Non, mon homme, t'es pas le King of the Ring. Le King of the Ring du Québec, du Canada, de la terre entière, où ce qui va tout changer, l'agriculture. C'est Maroun. Ce n'est pas toi, Marco Desmarais. Je suis désolé de te faire descendre de ton piédestal. Ouais, c'est juste du Marco, me, myself and I. Salut les voisins gonflables! Trop tard, j'ai parlé de vous autres, ma gang de pourris, de pordes! Ah! Les voisins gonflables. On va passer aux deux derniers vocales qu'il m'a fait aujourd'hui. Salut, Ramon. Écoute, j'avais une question pour toi, Ramon. Pourquoi tu t'acharnes sur Maroc? Non, je me suis trompé, c'est celui-là. Je te le dis juste une fois, là. Puis t'es chanceux que je t'ai pas répondu dans les commentaires. Excuse-moi, Raymond, là. Ben, mêle-toi de tes calices d'affaires, OK? Là, je te le dis. Je m'en allais te répondre dans les commentaires, là. Pourquoi j'invite juste Jonathan, whatever. La prochaine fois, ferme ta calice de gueule, le gros, là. Puis tu verras, mais que je fasse le live avec lui. OK? Là, tes hosties d'affaires, maroon, whatever, là. Tu vas comprendre quand que moi puis lui, on va parler dans les lives. Excuse-moi de te répondre de même, mais toi, là, je suis pas ton tour bonheur après toi. T'es bien chanceux que j'ai pas donné suite à ce que Francine t'a écrit par rapport à moi pis tout. Comme je t'ai parlé l'autre jour, comme je t'ai dit, Raymond, là, tu cherches pas à comprendre. Toi, tu cherches juste à répondre, tabarnak. OK? Parce que qu'est-ce que Francine t'a dit l'autre jour, là? T'as répondu du tac au tac, pis t'es assez défensive en tabarnak. Elle t'a jamais demandé de prendre ma part, whatever. Tu dis des affaires dans la live, asti, pis tu suis même pas tes astis de affaires. Ça, c'était avant son live de tout à l'heure. Il était déjà pompé.
Mais pomper pourquoi? Je t'ai juste posé la question normalement, sans frustration, sans attaque, sans méchanceté. Pourquoi que tu invites Jonathan McCrory dans un live et puis que tu m'invites pas? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct dans ce live-là? T'es déjà à ton premier vocal, déjà enragé. Le réveil a été brutal. Il me semble que j'ai déjà entendu ça quelque part. On passe au dernier. Ah, et je veux parler. Vu que il a mis... il a passé un commentaire qu'on a fait d'une de ces personnes, Francine. On va le mettre au complet. Il a juste mis ce qui faisait son affaire. On appelle ça du cherry picking. Ouais, on met ce qui fait notre affaire, puis on met pas la suite, parce que la suite, je réponds, j'essaye pas de comprendre, comme il dit. Ben, je vais lui montrer que quand tu parles de quelqu'un, puis que tu mets en plus une conversation entre deux personnes, surtout que t'es même pas dans la conversation, là. C'est pas à toi que je parle. C'est à une autre personne. Et cette personne-là a fait des screenshots pour t'envoyer à toi. Mais dans quel game de bébéisme que vous êtes? Mais voyons donc. Ça a aucun bon sens. Puis toi, tu fais, oh, merci, ça va être le fun à bosser en live. Mais moi, je vais tout mettre la conversation. À partir de ce moment-là. On va revenir là-dessus tantôt. On va passer le dernier beau petit commentaire enragé. Désolé, moi je suis pas de bonne humeur après toi. Puis dans la titre, mais j'ai fermé ma gueule, puis j'en ai pas donné suite. Mais toi, là, tu t'en viens. Là, le Raymond, là, fais attention. Là, je te le dis, là. Puis après ça, viens pas me faire un live, puis il m'a parlé sur Messenger ou whatever. Ben, je te jure, si tu veux qu'on la parte la guerre, Raymond, tu vas voir que même quand je suis pas complotiste, je peux en partir la guerre. Puis cette fois-là, je suis pas complotiste. Mais je sens l'estime que je m'en vais. Dans le temps, je te donnais raison parce que je suis complotiste. Ben, fais attention, Raymond. Je l'avoue, ta petite game, désolé. Moi, je suis un ami, mais on est capable de se dire les vraies affaires. Mais là, pour une fois, c'est tout qui va se faire dire les vraies affaires. Merci, bonne journée. Partir la guerre? Parce que j'ai posé une question sur un post? Partir la guerre? Mais what the fuck, man? T'es vraiment sérieux, là? Partir la guerre? T'as le droit de pas être d'accord avec quelque chose. Sérieusement, t'as vraiment le droit. Ça t'appartient. Mais à un moment donné, man, partir une guerre, un combat, ça vaut-tu tant la peine que ça, un combat? Pour savoir pourquoi que tu m'as pas fait une invitation, toi aussi, de me rentrer dans le live, que tu m'as pas fait cette demande-là? C'est ridicule, Marco. You, ton self-control, c'est incroyable. Tu me menaces. Tu pensais quoi, merde, que j'allais m'en virer puis... pour t'en remettre encore plus puis que tu sois encore plus en tabarnak. Mais non, j'ai pas répondu à ça. Et il n'a pas répondu à ça. Ben moi, je fallait faire un live. Merde, t'as eu l'air du dindon de la face. Désolé, là, mais t'as été le dindon de la face. Ça n'a aucun bon sens de perdre son self-control comme tu l'as fait. Mais bon, c'est la guerre, man. C'est la guerre. Juste un instant. Je dois dire que j'ai bloqué cette personne. OK? Là, je ne peux pas le descendre plus bas. J'ai bloqué cette personne parce que
cette personne-là a envoyé des screenshots de la conversation que j'ai eue avec elle à Marco. OK, correct. Elle aime Marco, c'est une personne qu'elle apprécie, aucun problème avec ça. Mais pourquoi? Ça te donne quoi? Donc, je vais lire ce qui s'est dit et des deux côtés. On va lire puis on commence. Je vais lire ça. Bonsoir Raymond, j'espère que tu vas bien. Je suis en train d'écouter ton live avec Dan The Rock et j'ai un profond malaise à vous écouter jouer au sein en disant qu'il vaut mieux se parler en privé et qu'il ne faut pas insulter les gens sur leur capacité ou vie privée et que tu trouves important de défendre en public Dan en public parce que des faussetés ont été dites sur lui. Mais qu'en est-il? Un instant. Mais qu'en est-il du live de marde que Dan a fait sur Marco? Ça, ça passe pour toi, Raymond? Marco a simplement décidé de ne pas être mêlé aux chicanes qui se passent publiquement et de traiter tout le monde égal en autant que ça se passe dans le respect. C'est tout. Mais il ne méritait pas toute la haine que Dan a déversée sur lui et pourtant, je n'ai pas vu beaucoup de monde, dont toi aussi, essayer de faire comprendre à Dan qu'il était allé trop loin. C'est vraiment une morale à deux vitesses que vous avez tous et je trouve ça désolant et très nocif pour le vivre ensemble. Marco ne sait pas que je te dis ces choses, on n'a plus reparlé de cet épisode depuis que ça s'est passé. Marco n'a jamais diffamé Dan sur sa vie privée, mais il a eu droit à toute une volée de bois dur d'un gars chaud qui s'en est donné à cœur joie. Et bon Dieu. J'ai-tu hâte d'avoir StreamYard? Je ne te demande pas de faire... Je te demande de faire attention, de seulement faire attention quand tu jases avec Dan en public et que tous les deux vous vous présentez comme des shérifs de la bien-pensance et du vivre ensemble. Vous en échappez des grands bouts et des fois, il faut se regarder dans un miroir. Je parle de Dan pour voir la réalité. Je ne te demande pas de défendre Marco ou Dan, mais seulement d'être conscient que Dan a la fâcheuse habitude de descendre les autres pour s'élever au-dessus de tout le monde. Fais attention, Raymond, sans rancune et bonne nuit de travail. À toi. Premièrement, là, OK, je vais dire à tout le monde, là, qu'est-ce que vous savez de ce que je fais ou je ne fais pas? C'est pas parce que je fais pas quelque chose en public que je ne fais rien. Dan, je suis capable d'aller y parler, mais je le fais en privé. J'ai pas besoin de mettre de la haine sur les réseaux sociaux pour en faire autre chose. Concernant la marde. La marde? Entre Dan et Marco, ça me regarde fuck all. Mais fuck all. Puis pourquoi j'aurais pris la défense de Marco quand toutes ces affaires-là se sont passées genre 2 semaines avant? Moi, là, j'aurais été supposé arrêter le live de Dan pendant qu'on était ensemble, puis de dire... « Ah, mais là, Dan, ça n'a pas été correct, là, d'agir comme ça avec Marco. » Mais voyons donc, mais... On a fait un live pour une raison, puis that's it. Moi, ce que Dan fait ou pas avec les autres, j'en ai rien à cirer, ça ne me regarde pas. Moi, j'ai une bonne relation avec lui, that's it. Est-ce que je suis capable de parler à Dan? Oui. Est-ce que je le fais en privé? Tout à fait. That's it. Quand on voit les seuls followers de Marco, on comprend tout. Ah, en tout cas. Donc, on va continuer. Là, on va aller voir ma réponse. Je t'ai transféré ce message que je t'ai envoyé il y a 2 jours parce qu'elle me l'avait écrit 2 jours avant, mais je trouvais que ça avait même pas d'importance de répondre à ça. Mais elle tenait. Donc là, ce coup-là, j'ai répondu. Mais comme il n'y avait aucune vue de ta par toi, je vais te permettre de te l'envoyer ici, Raymond. Parce qu'elle me l'a envoyé sur mon autre compte, Raymond Filia, puis j'y vais presque plus. Je l'ai dit, j'ai tout transféré sur Humpty Dumpty Ray
pour faire mes affaires-là. Puis, tout ce qui est dans mon personnel, serait mon filion. Ça n'a pas rapport avec tout ce que je fais à part ça. J'écris. Tu crois vraiment que je joue au saint? Je le fais quand j'ai un problème de parler en privé. Je ne comprends pas. Qui te dit que j'ai pas parlé à Dan en privé sur ce qui s'est passé avec Marco? Je te réponds à plusieurs points de ton grand texte. Ah, rien ne me dit ça, en effet, t'as raison. Puis ce n'est pas parce que je ne le fais pas en public, que je fais pas les choses en public, que je ne fais rien. Mais ça me donnerait quoi de le faire en public, me retrouver mêlé dans une chicane entre deux et qui ne me regarde pas? Mais à t'écouter parler avec Dan au début de ce live, ça sonnait comme si Dan n'a rien à se reprocher. Ah, pourtant, mon beau Raymond, tu t'as pas hésité à faire des posts et un live pour défendre Dan. En tout cas. Et où j'ai joué au shérif de la bien-pensance? Explique-moi donc ça. J'ai fait un post pour défendre Dan car la personne s'est cachée derrière une page et sans qu'on sache son nom. Ah, Raymond, ne joue pas à ça, réécoute le live. Les premières 15 minutes, tous les deux, vous dites qu'il ne faut pas s'attaquer à la vie privée des gens, etc., etc. Désolé, Francine, mais tu mêles tout. Si ça avait été Marco, j'aurais agi de la même façon. Ne joue pas à ça, tabarouette! Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de me dire ça. Marco, je vois bien que tu l'aimes, là. Mais t'es qui, toi, pour venir me dire ce que je vais faire, puis ce que je vais dire, puis ce que je vais penser, puis sur des lives que je fais ou que je participe? Mais voyons donc, mais vous êtes rendus dans quelle vie, vous autres? Vous êtes dans quelle... J'en viens pas. Alors, pourquoi tu n'as pas défendu Marco, dis-moi? C'est tellement grossier ce que Dan a dit sur lui pour ensuite se péter les bretelles avec toi. J'ai pas d'affaire à défendre Marco ou à défendre quiconque. Marco, premièrement, il est capable de se défendre tout seul. Il a pas besoin de Raymond Filion de venir jouer à la personne qui va sauver le pauvre petit Marco attaqué par le gros méchant Dan The Rock. Ils sont capables de régler leurs affaires. Puis s'ils veulent le faire en public, sur Facebook, en live, chacun de leur bord ou ensemble, whatever, ça les regarde. Moi, je ne ferai pas ça. Ce n'est pas mon genre et ça ne m'intéresse pas. Est-ce que je suis bien clair? J'embarquerai pas dans des hosties de niaisage, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. That's it. Ben, dis-moi, quand j'ai attaqué la vie de quiconque, ne viens pas me reprocher ce que Dan fait. Et quand je parle de la vie privée des gens, je parle de ma blonde, de ma famille, et Dan parle de la même chose. Qu'on m'attaque, c'est un moindre mal, car je le cherche en faisant des lives avec ma face, mais ma famille et ma blonde n'ont rien demandé de tout ça. Mais je te répète, qui te dit que je l'ai pas fait en privé, et surtout ce live-là était de parler de la page qui a dit des menteries sur Maroon, pas sur Marco. Ensuite, la vie ne tourne pas juste autour de Marco, je suis désolé, Francine. Je ne dis pas que toi, tu as attaqué la vie de quiconque, Raymond. Mais à faire un live comme ça avec Dan le lendemain ou le surlendemain de sa chute sur Marco, en vous auréolant de ne pas attaquer la vie privée, etc., etc., ça m'a beaucoup dérangé. Je ne dis pas que la vie tourne juste autour de Marco, mais il faut savoir faire la différence entre quelqu'un qui attaque les autres gratuitement et l'approuver. Aïe. Quand est-ce que j'ai approuvé les faits et gestes de quiconque?
Je le pose en question, là. T'es là, Dan The Rock. Quand est-ce, Dan The Rock, que je t'ai dit que t'étais merveilleux dans la manière que tu faisais tes choses? Salut, Pierre. Quand est-ce, Dan The Rock, que j'ai dit, wow, ça, c'est un hostile move de la mort. C'est incroyable, là. Madame, elle voit des choses, puis elle s'imagine que c'est comme ça que les choses se passent. Pour défendre son Marco, t'as le droit d'aimer Marco. Je te reproche pas ça. Je te dis pas que t'as pas de fuck d'aimer Marco. Mais vois donc plus loin. Ça serait déjà un bon départ. Mais tu as le droit, mais je n'en ai aucunement pensé à Marco, car je m'excuse encore, Francine, mais ça fait plus qu'une journée ou deux que Dan s'en est pris à Marco. J'ai une question pour toi, Francine. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé sur la page merdique? As-tu été sur cette page? Regarde, Raymond, on va arrêter cette discussion. Et si jamais tu as parlé à Dan de ce qu'il avait dit sur Marco, je t'en félicite. Mais ça ne paraissait pas dans ce fameux live où tu approuvais Dan quand il disait qu'il ne faut pas s'attaquer à la vie privée des gens. Je ne sais pas de quelle page tu parles. Mon message était seulement pour te dire que j'ai été déçu de voir que tu donnais le bon Dieu sans confession à Dan quand il disait de ne pas s'attaquer à la vie privée des autres, c'est tout. Mais donner le bon Dieu sans confession à Dan The Rock? Ah, ils peuvent attaquer, je m'en calisse. J'en ai rien à chier, c'est pas important. Donner le bon Dieu sans confession à Dan The Rock, mais ça va pas la tête! Comme je m'attends pas à ce qu'on donne le bon Dieu de mon bord. Je suis pas parfait, Dan n'est pas parfait, il y a des qualités, j'ai des qualités, Marco a des qualités puis il y a des défauts. Je donne pas plus le bon Dieu sans confession à Marco. Mais dans quelle réalité vous vivez, sacrement? Ne sais pas de quelle page tu parles. Mon message était seulement pour te dire que j'ai été déçu de voir que tu donnais... Ah bon, ça, on l'a déjà lu. Regarde, Raymond, on va laisser cette discussion ici. On n'est pas plus mauvais amis pour autant. OK? Non, c'est vrai. On n'est pas plus mauvais amis que ça. Mais tu t'en vas faire des screenshots pour les donner à Marco. Wow! Là, je m'en vais écouter le live de Marco aujourd'hui. Prends soin de toi, Raymond. Tu écoutes vraiment ce que tu veux entendre. J'ai répété à plusieurs reprises que moi et Dan, on se parle en Messenger et je lui dis que je ne suis pas d'accord avec des actes et des paroles. Ensuite, tu fais exactement ce que Marco, il lui est reproché depuis un mois, de jouer à l'autruche et de ne pas voir les autres versions et dire « Moi, je ne veux pas être mêlé, mais qu'il y a des antécédents dans les situations et que tout n'est pas blanc ou noir. » C'est incroyable, cette manière d'agir-là. Tout le monde a le droit de pas avoir le goût de savoir tout ce qui se passe partout. Mais quand tu veux pas le savoir, tu fais pas des reproches à une personne quand t'es pas dans le sujet. Et de me dire, ouais, mais toi, t'as pas pris la défense de Marco et blablabla, puis tu donnes le bon Dieu sans confession à Dan The Rock, mais vous êtes qui, sacrément, pour avoir ces idées-là? Ça n'a aucun sens. Bon. Ça fait deux jours que je n'ai pas parlé à Marco et au début de son live, il dit que Dan cherche encore le trouble par rapport à lui. Il aurait parlé de lui en live d'après ce que je comprends. Je vais continuer pour ce qui est de jouer à l'autruche. Je te retourne le miroir, Raymond. T'as beau penser que Dan n'a rien à se reprocher et le flatter en live, ça n'enlève rien à ta responsabilité. Si tu avais juste dit, par exemple, « Ouais, on l'échappe des fois, Dan, comme ce qui s'est passé avec Marco », ça aurait prouvé il y a bien du monde que tu n'approuves pas. Mais on sait qu'il ne faut pas contredire Dan. Personne ne le peut, même toi.
Tabarouette, mais tabarouette. Sérieusement. Personne ne peut contredire Dan The Rock. Hey, Dan! Dan, t'es dans le live encore, là. OK? Est-ce que je te contredis sur des choses que tu me dis? Est-ce que ça arrive que je te contredis puis que je te dise que t'as pas bien fait telle ou telle chose? Merci, Sébastien. Et voilà. Il dit... Mais je suis pas obligé de le faire en public. Je suis pas obligé de le faire en live. Hein, mais qu'est-ce que tu fais présentement? Ce que je fais présentement, là, c'est que Marco, au lieu de prendre ça easy puis de faire comme, ah, ben, si ça te tente, ben, je t'invite lundi ou mercredi dans le live avec Jonathan puis on discutera de la situation tous les trois. Ben, non. Le pauvre petit Marco qui fait pitié, là, ben, il se lève pis il fait, ben, on fera pas les beaux souvenirs de même. Il va payer pis la guerre va se déclarer. Voyons donc, tabarnak de cette galisse. Pis après, tu t'en vas dire, Marco, que... C'est incroyable. Là... donnez-moi 2 secondes, s'il vous plaît. Je veux juste régler une petite affaire. Donnez-moi 2 petites secondes. On va continuer ça si ça vous tente encore. J'ai pas fini mon petit live. Non, j'ai pas fini. On va aller... non, c'est pas là que je faut que j'aille. On va aller là. Donc, je viens de bloquer l'armée des chasseurs. Hey, salut René! Je viens de bloquer l'armée des chasseurs parce que je l'ai déjà dit. Tout le monde a le droit de venir sur mon live, tout le monde a le droit d'avoir des commentaires, mais à partir du moment où ce que le monde manque de respect envers les autres, j'accepterai pas ça. Là, j'ai pas tout vu les commentaires, je vais relire tous les commentaires quand le live sera terminé. Donc, maintenant, on va passer au live de Marco. On va le partir... Donnez-moi quelques secondes. Je sais que la plupart du temps que je fais des lives et tout, je vais essayer de dire que souvent, j'essaie d'expliquer dans mes lives que ça sera plus le fun qu'on chicane pas ou whatever. Moi aussi, par exemple, des fois, j'en ai plein mon quota, là. Puis là, je commence à être talent de style, votre hypocrisie, une bonne style, une bonne gang, là. Puis ça n'a pas rapport à la chicane, Dan, Mammouth ou whatever, là. Il y a une style belle gang d'hypocrisie. Ça n'a pas rapport à la chicane Dan Mammouth. Mais de quoi tu parles? Tu commences ton live, on sent déjà que t'es très, très joyeux. OK?
Puis tu parles tout de suite de Dan et Mammouth. Je pense qu'il y a un lien, moi. Je pense qu'il y a un lien. Sinon, tu n'en parlerais pas de Dan et Mammouth, là. Tu parlerais du reste de ton sujet. Mais non, tu commences avec ça. Que dans tous vous autres, là, puis je nommerai pas des noms, mais je vais vous expliquer, par exemple, le contexte. Là, je suis tanné de vous voir écrire, vous voir parler, faire des petits likes pis tout. Il y a un nom que je vais nommer, c'est... T'es tanné de nous voir écrire, de nous voir commenter, de nous voir... De quoi tu parles, man? Si t'es pas content, va ailleurs, fais autre chose. That's it, là. Marie-Lise Lafrenière, là. Toi, avec, tu commences pas mal à me tomber ses nerfs. C'est bien, bien hypocrite, ton affaire, là. Mais avant de nommer des noms, whatever, là, je vais vous expliquer. Moi, je suis pas là pour nommer les noms, hein. Non, mais... Ah, mais je vais en nommer un, là. Je vais en nommer un, là. Marie-Lise Lafrenière. Bizarrement, une femme. Encore une femme. Tu parles encore d'une femme en live. C'est pas fini, on continue. Ah, oh, c'est pas grave, Lynn, qu'il revienne avec un autre compte. Contexte. Oui, j'ai essayé le moins possible de parler de votre chicane avec Dan, whatever. J'ai juste dit comment Dan, il fait des petites affaires hypocrites. Puis je trouve ça plate, là, ces petites affaires-là d'hypocrisie. Salut, Jocelyne. Je suis tanné de voir toutes les petites affaires de manque d'hypocrisie de Dan, blablabla. Mais pour qu'il y ait une chicane entre deux personnes, là, c'est que les deux sont responsables de la chicane. Pas juste une personne d'un bord. Mammouth aussi. C'est pas parce que t'as un penchant pour Mammouth que faut que tu passes free là-dessus. Là, on va mettre de quoi au clair, là. Et en un, je viens de laisser un message assez direct, là. Je vais pas nommer de nom, pis t'es chanceux. Là, je viens de laisser un message, c'était pas un, c'était deux, à quelqu'un, je nommerai pas son nom. Pourquoi tu voulais pas nommer mon nom, Marco? Hein? Pourquoi? C'est toi qui me disais dans les messages que si c'est ce que tu cherches, on va partir la guerre avec des bazookas. Mais non, moi je partirai pas de guerre avec toi, Marco. Je te réponds là, puis ça va être that's it. Tu la feras tout seul, ta petite guerre. Mais on va voir à quel point tu as du self-control, man. Je n'ai pas nommé ton nom, je ne le nommerai pas non plus. Puis là, je sais que ça va te frustrer. Je nommerai pas ton nom, puis je ne le nommerai pas non plus. Regardez bien s'il nommera ou pas mon nom. Là, peut-être que tu vois. Tu es une personne là qui ne cherche pas à comprendre. Tu cherches juste à répondre. Puis même quand j'étais complotiste, puis t'étais anti-conspi, là, c'était la même astuce d'affaire. Même si j'avais tort, ben j'étais conspi. Puis tu cherches jamais à comprendre. Tu cherches juste à répondre. Puis j'ai aucune idée c'est quoi ton astuce de problème. Je sais pas si c'est parce que tu cherches à avoir du monde qui t'écoute. Tu cherches à se faire apprécier ou whatever. Je m'excuse, moi. Oui, Marco. Mon but dans la vie est d'avoir des followers. Partagez, like, on partage. Hey, let's go, la gang, faut qu'on monte à plus que 100 aujourd'hui. Let's go, on est capable. On monte, partage. Voyons, tabarnak, j'en ai rien à cirer, man. J'en ai rien à chier, moi, d'avoir du monde qui me suive ou pas. Si le monde me suit, tant mieux, pis s'ils me suivent pas, tant pis. Pis, si le monde arrête de me suivre, je m'en vais pas les blaster sur en live pour les faire chier. Non. Je les laisse vivre. T'es-tu comme ça, toi, Marco? Pose la question, c'est y répondre. Je te parle de même, là. T'es un ami, mais là, je suis tanné de votre astuce d'hypocrisie. Bon, là, j'y vais avec le contexte. Là, je suis tanné en esti, là, des hypocrites pis des immatures comme vous autres, là. Je suis tanné en tabarnak. Pis si du monde commence à me dire, oh là, tu vas perdre du monde, esti, parce que tu dis ça, Dan, whatever. Mais encore, lisse, esti. Pas besoin. Pas besoin de vous autres, moi. J'ai pas besoin d'une esti de quinte d'hypocrites comme vous autres de venir écouter mes lives.
T'as pas besoin de ça. Mais à tous les jours que tu vas en live, tu parles contre Dan. À tous les jours, tu parles contre les personnes qui suivent Dan, qui font partie de l'entourage à Dan. Mais moi, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça, voyons, j'ai pas besoin. Mais je vais en parler. Ah, je vais en parler. Ah, puis je dis la même affaire à Mammouth, là, oui, là, Mammouth, là, je lui dis la même affaire. Fuck you, man. Fuck you, tabarnak. Fuck you. Viens pas dire que tu dis la même affaire. C'est pas parce que tu dis en public, là, je parle à Mammouth, puis là, mais on est d'accord, là, puis mais tu sais, au moins, lui, il me juge pas, ou lui, gna gna gna, ou lui, gna gna gna, ou lui, gna gna gna. On continue. OK. Puis les noms vont sortir quand que je vais faire la live avec Jonathan. Encore une fois, j'arrête pour la troisième fois. Comprenez bien le petit contexte. Regardez comment vous êtes hypocrite. Puis un nom que je vais nommer, c'est le deuxième, c'est Lynn Lafleur. Toi, avec, t'es un esti d'hypocrite, Lynn Lafleur. Deuxième nom. Lynn Lafleur. Ben, gardons ça, c'est encore une femme, tabarnak. C'est-tu moi qui me pose des questions? Encore une femme. On est rendu à deux femmes. Mais elle nommerait pas de nom parce que le but, c'est pas poser des questions. C'est pas de nommer des personnes. Deux femmes, madame. Sur deux noms. On continue? Pour vous l'expliquer ça, puis ça, j'étais supposé vous l'expliquer juste quand je vais faire le live avec Jonathan. Là, juste le fait. Regardez bien comment vous êtes hypocrite. Juste. Je vais vous l'expliquer, mais je voulais l'expliquer seulement quand j'allais faire le live avec Jonathan. Mais ça va être lundi ou mercredi. Pourquoi lundi ou mercredi? Pourquoi 4, 5, 6 jours plus tard? C'est là que ça se passe. Il va en avoir passé du stock d'ici 4, 5, 6 jours. Pourquoi attendre à ce moment-là? C'est beau. Tu travailles pas de toute manière, Marco. Tu veux régler des affaires? Mais toi, c'est quand ça te tente, pis c'est sur ta page, c'est sur ta plateforme. Jamais sur celle des autres. Ouais, mais c'est parce que tu as du contrôle sur ta page, sur ton... Ouais. Tu peux décider que tu en as assez et de dire bye-bye, ciao-bye, puis continuer à blaster dans le dos. On continue. Le fait que je fais un live pour dénoncer ça, là. Là, Gabin, le monde, il écrit, oh, c'est ça, des marais, hein, tes babines ne suivent pas les bottes, puis tu parles contre le monde, blablabla. Mais vous autres, vous êtes toujours en train de parler contre tout le monde. Vous êtes toujours en train de rire du monde, puis vous cachez en arrière de dire, on veut dénoncer. Écoutez bien, là. Là, je vais faire juste une petite partie du live que je vais faire avec Jonathan. Excusez son nom de famille, là, il m'échappe, mais croyez, je pense, quelque chose de même. Puis vous allez comprendre le reste de qu'est-ce que je veux dire en ce moment. Le contexte. Moi, hier, Jonathan, là, il était en train de montrer un live à Maroon. OK? C'était ce petit clown-là qui est Maroon, là. Moi, j'ai une question à te poser. Puis réfléchis à ça, celui que je nomme pas ton nom, mais que je viens de t'y envoyer un messenger, là. OK? C'est qui est le plus dangereux? Maroon. Un Carl Giroux avec ses fake news ou un Maroon? Maroon. Qui a plus d'impact sur l'Internet, sur Facebook? Maroon. Pour, admettons, pour les esprits faibles ou whatever, salut Catherine. Maroon. Ah ben. Hein? Qui? Ah ben. Pour les esprits faibles. Qui a le plus d'impact sur les sur les esprits faibles? Toi, tu sais ça, man. Toi, tu sais ça. Toi, tu sais ça, Marco. Est-ce que tu sais que ce gars-là est une pourriture envers les femmes? Est-ce que tu sais qu'il a scrappé la vie d'une femme, le Maroon? Ouais, mais c'est pas toutes les femmes. Man, une femme, deux femmes, trois femmes,
Quatre femmes, ça n'a pas d'importance. Une, c'est une de trop. Si tu regarderais aussi ces lives à Maroun, Marco, au lieu de te fier à n'importe quel, tu te rendrais compte qu'il y a beaucoup de personnes démunies de la vie qui fait entrer dans ses lives et puis qui se sert d'eux autres. Moi, j'ai jamais vu une personne handicapée, une personne démunie de la vie, une personne sur l'aide sociale, une personne aller sur les lives de Carl Giroux. Donc, tu parles sans connaître encore, Marco. Tu poses la question, c'est qui est de madame, là? Ben, je sais c'est qui est plus dommageable. Parce que moi, j'ai écouté en masse du Carl Giroux. Puis j'ai écouté en masse du Maroun pour pouvoir répondre à cette question-là. Tu parles sans savoir, man. Parce que 1, 2, 3 personnes ont allé dire que Maroun, c'est un cave, c'est un imbécile. Ça n'a pas d'allure, puis il cherche juste à avoir des lives, des likes, d'avoir juste du partage, puis d'augmenter. C'est pas juste ça, du Maroun. Mais pourquoi tu dis des affaires quand tu le sais même pas? Fais ton chemin, man, puis laisse les autres s'occuper de ce qu'ils veulent s'occuper. Puis arrête de juger. Tu sais même pas de quoi tu parles. On continue. Plus d'impact, un François Maléga ou un Maroun? Encore là, c'est encore Maroun. Oui. Maroun a 50 000 personnes followers dans sa liste. Je crois pas qu'il y a 50 000 personnes en tout. Ça, c'est un autre game. Sauf que, il atteint du monde. Puis la différence avec les conspis d'avant, Maroun, il parle de légumes. Il parle de véhicules. Oh, c'est cute ça. Partager, partager, partager. OK, on va prendre ma liste. On envoie ça. Oh, si Raymond, il m'envoie ça, ça doit être intéressant. Bon, on va aller s'abonner, on va aller s'abonner, on va aller s'abonner, on va aller s'abonner. Ah, ben, écoute ça. Hey, il demande au monde de dire à leur monde, et là, d'autres personnes vont continuer. C'est exponentiel. Oui, oui, Maroun a plus d'influence qu'à Maléga. Mais je lâcherai pas Maléga. C'est pas parce que je m'occupe de Maroun ou que je m'intéresse à Maroun présentement, que j'oublie mon ami Amaléga. Non, 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 j'oublie pas mon ami Amaléga. Est-ce que tu es capable de réfléchir à ça? Ou tu t'écoutes d'une oreille et ça sort de l'autre aussi vite que c'est rentré? Je pense que t'es plus comme ça, hein, Marco. Est-ce que chef Maroun, tu es un complotiste? Non. Parfait. Mais tu... Mais ça change quoi qu'il soit complotiste ou pas? Ça change pas cool. Il serait un anti-complotiste comme moi que j'aurais la même discussion que j'ai là présentement. Je ferais exactement les mêmes calices d'affaires. Mais c'est quoi le rapport? Tu dis qu'il est temps de passer à autre chose, mais tu ramènes ça encore aux complotistes et aux anti-complotistes, à nos batailles qu'on a faites pendant la pandémie. La pandémie est finie, tabarnak. Est-ce que ça se peut que moi, ça m'intéresse des choses qui se passent en dehors de la pandémie, puis des complotistes, puis... Ben ouais. Puis j'ai le droit. Je vais t'expliquer, là. Ben, tu veux le savoir, là. Ben, tu viendras dans le live avec Jonathan. OK? Je te l'ai expliqué sur Messenger. Contact. Voilà. Si t'avais juste répliqué, ah, ben ok, tu veux venir dans le live, ben tu viendras, on sera trois, pis on échangera tous les trois. Bon, je serais pas en train de faire ce que... T'aurais pas eu l'air du clown que t'as l'air dans ce live-là. Ok? Puis je serais pas en train de faire le live que je suis en train de faire là. Ça aurait fini là, j'aurais fait...
Parfait. Oublie pas de me dire la bonne journée que tu veux le faire, le live. Essaye pas de me répondre. Essaye de comprendre ce que je viens de dire. Ah, t'as compris, Marco? Ah, t'as compris? Fais pas. Essaye pas de répondre. Essaye de comprendre ce que je viens de dire, là. Nicole, et que j'ai hâte de voir si ça marche pour toi. Encore, je reviens là-dessus. Fait qu'hier, Jonathan est en train de montrer une vidéo à Maroon. Moi, juste avant ça, j'ai fait un live pour démontrer deux astis de morons qui ont de l'impact bien plus qu'à Maroon sur certaines personnes, puis que c'est néfaste. OK? Marco, si toi, tu penses que Giroux et Amalega ont plus d'impact que Maroon, t'as le droit. Continue, reste dans tes affaires de complotiste d'avant. Mais je sais qu'il y a une chose, par exemple, Marco. C'est quand tu parles pas de complotistes ou de ceux qui font chier, ton nombre de personnes diminue dans les mondes qui t'écoutent. Puis quand tu te rends compte de ça, bizarrement, tu fais comme « Ah ben là, je viens d'apprendre quelque chose! » Puis là, tu repars. Et là, tu repars pour un bout. Puis quand, là, à un moment donné, t'es tanné, puis que là, t'es dégueulé de te poigner avec un, avec l'autre, avec ci, avec là, bon, ben là, on va lâcher les complotistes, puis on va parler de choses qui ont plus d'allure. Et là, tu continues à faire des lives, puis là, tu vois qu'encore, ça descend ton nombre de followers, ton nombre de personnes qui te regardent en live. Ah, oh, ben là, j'ai entendu parler aujourd'hui que... Savez-vous quoi? Puis là, t'as passé complètement. Et là, ton nombre de viewers commence à monter. Ça, je dis rien. Hein? C'est pas une néfaste envers la société en tant que telle. On est minime. Hein? On se l'est déjà dit. On est juste des petits joueurs, nous autres, sites sur Facebook, là. On est toute la même petite gang à quelque part qui s'écoute, là. Arrêtez de jouer aux estis d'hypocrites, là. OK? Arrêtez de jouer aux hypocrites. Arrêtez de jouer aux hypocrites. À date, là. Entre toi et moi, qui a l'air le plus hypocrite? D'après toi, c'est moi. Mais d'après moi, c'est pas moi. Mais chacun ses idées. À quelque part, du monde comme Carl Giroux, les deux morons que j'ai montrés hier, où Mireille chierait avec ses fausses fondations pour voler de l'argent du monde, je pense que c'est du monde bien plus dangereux que l'estime Maroon. Oh, Mireille chérie. Nous fait deux ans que j'entends pas parler d'elle. Les seuls moments que je l'entends parler, c'est Marco, c'est toi qui m'en parle. Elle est vraiment dangereuse en tabarnak. Attachez votre cake de broche! Mireille chérie is coming! Le clone. Par contre, ce n'est qu'un clone que vous l'utilisez pour rire de lui. Je l'utilise pour rire de lui. Tu fais quoi, toi, avec tes histoires, man? Tu t'amuses à rire du monde? Pis je te juge-tu! Fais ce que tu veux, man. Fais ce que tu veux. Puis laisse-nous faire ce qu'on veut. Je t'ai jamais demandé de t'occuper des affaires qui m'intéressent. Comme je t'ai jamais dit, arrête de parler des choses qui m'intéressent pas. Fais ce que tu veux. Je vais faire ce que je veux. Puis les autres vont faire ce qu'ils veulent. Ainsi va la vie. T'es pas celui qui a la bonne nouvelle, qui peut décider de « c'est ça le sujet le plus important aujourd'hui ». Comment ça marche? Moi, je m'en calisse. Ah oui, c'est un peu. Vous êtes une petite belle gang d'hypocrites.
Je reviens encore avec mon contexte d'hier, puis Mme Lynn Lafleur, comment elle est hypocrite. Moi, hier, là, j'ai demandé à Jonathan sur Messenger, puis c'est pour ça qu'on va faire un live ensemble, parce qu'il va vous le confirmer. Moi, hier, là, j'ai juste écrit dans les commentaires à Jonathan, « Tabarnak, ça fait 2h05 qu'il joue, viens, c'est... Il y a deux personnes qui l'écoutent, puis c'est quoi vous êtes en train de dénoncer? Hein? » Ça change quoi dans ta fucking vie, man, dans ta fucking réalité, que Jonathan présente le live de Maroon, pis qu'il y ait juste 2 personnes, 5 personnes, 7 personnes, 20 personnes, ça change quoi dans ta fucking réalité? Il a le droit de faire ce qu'il tente. That's it! Peu importe le nombre de viewers. Peu importe. Ça n'a aucune calice d'allure que tu dises une affaire de même. Il y a 2 personnes qui regardent sur 2 heures de parler de Maroon. Mais fuck off, man. Fuck off, man. Vous êtes en train de dénoncer rien. Vous êtes en train de rire du gars. Puis ça, je m'en calisse. On a le droit de rire du gars parce que oui, c'est un clown. Puis là, Lynn Lafleur qui écrit... Bon, Marco Desmarais fait son cacamo. Voyez-vous comment vous êtes hypocrite? Voyez-vous comment vous êtes cette gang d'hypocrite? Parce que j'embarque pas dans la gang de rire de Maroon. Hein? Tu viens te plaindre sur un live de Jonathan McCrory. Lynn a fait juste dire, bon, il est pas content, il fait son petit cacamo. OK. Oui, Lynn, viens dire que je suis en train de faire mon petit cacamou, puis tu vas voir, je ne pèterai pas ma coche, là. Voyons donc, elle a le droit de voir les choses puis de penser les choses comme elle veut, là. Pourquoi faire une guerre ou te virer? Ah, ton nombre de viewers a baissé depuis que les amis de Dan The Rock ont arrêté de te suivre pour plusieurs raisons. Mais si on s'attaque à Lynn Lafleur, le monde va venir dans mon live, ils vont commencer à commenter, puis il va y avoir plus de monde qui va regarder, puis ça va faire plus, hein? Ah, puis le bordel, il va pogner dans mon live. Puis là, m'en pouvant me fâcher, hein, Marco Desmarais? Calisse, man, que t'es bébé. T'as pas d'allure. Tu sais que t'es 1 an plus vieux que moi. C'est tout le monde. Pourquoi qu'il y en a un qui prend le live de Maroon, le live de Maroon pour le diffuser? OK, c'est correct. Ben, c'est quoi le problème d'abord? Mais là, l'autre qui prend le live de Jonathan pour diffuser le live à Maroon. C'est tout le monde. Tout le monde, c'est la même affaire. Puis on est là pour dénoncer Maroon. Mais dénoncer quoi? C'est là n'est pas dangereux. Viens pas faire carrière à moi ça. Mais ça, on en parlera en longueur quand je fais le live avec Jonathan, soit lundi ou mercredi prochain. On dénoncera ça en longueur. Tu t'écoutes même pas ce qui s'est dit. Qu'est-ce que Maroon fait ou dit? Ah, toi, t'as la vérité infuse, Marco. Puis là, ça veut dire que tu sais exactement ce qu'il est, Maroon. Parce que tu sais, toi. Toi, là, t'as du brain en tabarnak, hein? Mais il parle pas de complotisme! On s'en calisse-tu qu'il parle pas de complotisme, man? On s'en calisse-tu? La vie, c'est pas juste une question de il y a les complotistes et les anticomplotistes, là. Mais non, calisse, il y a une vie en dehors de ça. Puis Maroon fait partie de cette vie-là en dehors de ça. Mais moi, il y a une affaire, j'ai une question que je me pose dans tous vous autres. Désolé, je lis pas aucun commentaire en ce moment, là, parce que je suis en beau tabarnak un matin, là. Je suis tellement en style, là. Faire vos estis de commentaires de gang d'hypocrites. Puis si c'est pas personne qui est capable de vous le dire, là, vous êtes un esti de gang d'hypocrites. Moi, je vais vous le dire, puis j'ai pas peur de le dire. Hashtag, I'm hypocrite. Oui, monsieur. Hashtag, I'm hypocrite. Moi, là, c'est drôle, hein. Mais que tu sais, Dan The Rock, là, whatever, là. Hein, Raymond Fillon, là. Avant, il était.
En, je ne nommerai pas un nom de personne que j'ai parlé. Ah! Est-ce que j'ai bien entendu? Hey, êtes-vous entendu comme moi? Je ne nommerai pas le nom. On écoute. Hey, il nommera pas mon nom. Hey, il a vraiment dit ça, là. Plus qu'une fois, en plus de ça, là. On nommera pas son nom à celui que j'ai laissé des vocaux. Non. Oh, c'est même dur. Vraiment, intéressant. Au lait de la fleur, même toi. Avant, c'était intéressant. Qu'est-ce que vous faisiez? Parce que vous dénonciez quelque chose qui est important. Dan, là, t'étais écouté de même. Le monde adorait tes lives. Parce que tu dénonçais quelque chose de pas pire. Puis d'un coup, t'as commencé à faire des vidéos de but, whatever. Qu'est-ce que ça donnait au bout de la ligne? Qu'est-ce que tu dénonçais au bout de la ligne? C'était de rire du monde. Ça reste de l'enfantillage, votre petite affaire. Oui, je vous comprends. Il n'y a pas de règlement sur Facebook qui interdit de faire ça. Hein, que... Mais tu nous comprends, mais il n'y a pas de règlement, puis vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Mais c'est quoi le but de tout ça, d'abord? Les bottines ne suivent pas les babines, Marco. Les bottines ne suivent pas les babines, Marco. Pense à ça. Essaye pas de me répondre. Essaye de comprendre ce que je suis en train de dire. Oh, colique que je suis en train d'aimer cette phrase. Bon, c'était bien plus fort ce que vous faisiez avant. C'est ça que j'essaie d'expliquer depuis un bon bout. Pourquoi qu'on ne revient pas à l'essentiel, à ce qui est important, tabarnak? Oui, là, venez pas me faire... L'essentiel puis l'important. D'après qui? C'est toi, ça, Marco, qui décide c'est quoi qui est essentiel et qui est important? Moi, ce qui est essentiel et important de ma part, de mon part, c'est pas bon. Ça l'est pas. Alors moi, je le répète encore une fois que votre testine marron est important, là. Que le gars qui dit qu'il est marié avec Céline Dion, qui est sorti avec, puis que l'église porte son nom, whatever, là, c'est pas lui qui est en train d'influencer du monde comme un Carl Giroux, comme un François Malégo, ou qu'une Manon Coutu, Isabelle Cathy, même aussi minime soit Manon Coutu, Isabelle Cathy. C'est... Maudit affaire. T'as pas la rue. Là, je vous trouve toute une petite belle gang d'hypocrites. Puis je me retiens en tabarnak pour pas nommer ton nom puis le dire, t'es un des plus hypocrites de la gang, est-ce-tu? Je te faisais confiance, je t'ai fait des confidences, est-ce-tu? Non, tu m'as pas pris dans le dos là-dessus. Marco, tout ce que tu m'as dit en privé, personnel, là, j'en ai jamais parlé à personne. J'ai toujours été honnête. Pourquoi tu parles de ça tout d'un coup? Pourquoi tu parles de ça? Ça change quoi dans la fucking importance de ce qui se passe de juste avoir dit, mais pourquoi Marco, que tu m'as pas demandé à moi aussi d'être dans ce live pour qu'on parle de l'histoire avec Maroun? Ah, tu veux en parler, mais ça va être lundi ou mercredi, je vais te donner la bonne journée que ça va arriver. À place de ça, tu pète une de ces coches, même. J'espère que tu vas faire un retour sur ce qui s'est passé aujourd'hui pour réaliser que, oh, je pense que je suis allé trop loin. Là. Elle m'a dit une affaire, là. Regarde-toi dans le miroir. Tu je t'ai insulté. Puis j'ai vu, en tout cas, regarde, sauf sinon, là, tu vas... Je peux pas nommer de nom, mais je veux juste dire ça. Ceux que ça l'intrigue, là, venez l'écouter le live que je vais faire avec Jonathan lundi ou mercredi. Pis si t'es pour Maroun, là, pis tu te sens, pis faut absolument que tu parles de Maroun, tu viendras dans mon live, pis tu viendras répondre aux questions. Justement, pis ça, c'en est une des questions. Où c'est que Maroun est aussi dommageable qu'un François Malaga? Où c'est que Maroun est aussi dommageable qu'un Grenier, qu'un Carl Giroux? Hein?
qu'une Mireille chérie. Il est rendu où, cette affaire-là, que vous dénoncez tous les complotistes avant? Je vous veux plus rien dire. Marouane, c'est un complotiste? Non. Ah, peut-être que le gars, c'est un fraudeur ou un arnaqueur, hein? Parce qu'il est arrivé avec ça hier. Je... Pense à mettre. Peut-être que Maroun, c'est un fraudeur puis un arnaqueur. C'est encore lisse, hein? Mais voyons, c'est encore lisse. C'est pas important, ça, hein? Ça dérange dans quoi, ça, comparé à François Maléga, Carl Giroux, Sam Grenier, Isabelle Cathy, Manon Coutu. Comment est ce tabarnak? Plus que... Là, c'est la deuxième fois, parce que je l'ai écouté en live quand tu l'as fait tantôt. Mais là, c'est la deuxième fois que je l'entends, puis je me dis, mais... Il réalise-tu qu'est-ce qu'il vient de faire comme live, là? Il est-tu vraiment fier d'avoir fait un live de même? Puis je te connais, Marco! Ça s'arrêtera pas, là. Oh! Non, 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 non! Non, ça s'arrêtera pas là, et tu vas pas comprendre... Mais tu vas réagir à mon live. Puis aux commentaires, puis à ceux qui ont parlé dans ce live-là. Parce que tu l'as dit tantôt. Si tu veux la guerre, je suis capable de la faire, même s'il n'y a plus d'histoire de complotistes puis d'anticomplotistes. La guerre, man. La guerre. Ugh. Tu te sens comme Poutine? Puis tu penses que moi, je suis Vladimir Zelensky, hein? Hein? Tu te sens comme un vrai Poutine de toi-même. C'est n'importe quoi, là. Attends, parce que je suis en train de faire en ce moment, je suis en train de faire le live que je posais de faire avec lui. Là, encore une fois, je suis en train de vous vendre la mèche, c'est-tu. Parce que vous allez voir, je vais vous démontrer comment vous êtes hypocrite. Parce que Maroun, là, s'il fait de quoi de si illégal que ça, là, puis vous dites, « Ah, moi, je peux je le dénonce, moi, je te longerai pas tant si longtemps, si, là, que tu vas en... » Peu importe, là, s'il fait de quoi de si illégal que ça, dénonce la police. Parce qu'on m'a dit ça hier. Hein? On a essayé de me défendre là-dessus hier en disant, « Oui, mais tu sais, le gars, il a fraudé, je sais pas trop, des trucs. Quoi, d'abord, moi, je m'en calais, je sais pas, l'estime, Maroun. C'est un de pic. » Mais si le gars, il a fraudé, là, dénonce la police. Tandis que les conspires, eux autres, sont durs à dénoncer quand ils volent les dons ces affaires-là, parce qu'ils ont des belles excuses avec le convoi et ces affaires-là. Pis justement, le convoi, il a été dénoncé. Hein? Par Mammouth, entre autres. Là, vous allez dire, il parle encore de Mammouth, il est avec Mammouth. Vous cherchez juste n'importe quelle petite crise d'affaires pour que la merde continue au lieu de se mettre ensemble puis de... Mais me mettre avec quoi, avec toi dans quoi, Marco, ensemble? Mais de quoi tu parles? Mais de quoi tu parles? T'as pas d'intérêt envers Maroun. Fais tes affaires, puis crisse-nous patience. Crisse-nous fucking patience. Comme j'ai dit tantôt, quand est-ce moi j'ai jugé tes sujets qui étaient intéressants ou pas? Ah! Tantôt, je cherchais le nom. Je parlais de tactique. C'est le seul que je t'ai dit dans la vie. Pourquoi tu continues à le faire rentrer dans tes lives, man? Il apporte rien, puis c'est juste de la merde, ce qu'il dit. À part tactique, est-ce que je t'ai déjà dit, Marco, qu'est-ce que tu devrais suivre? Qu'est-ce que tu devrais pas suivre? À qui tu devrais parler? À qui tu devrais pas parler? Pis toi, tu t'en viens me dire ça parce que moi, je m'occupe de Maroun, pis que j'ai de l'intérêt à m'occuper de Maroun, pis tu veux même pas savoir le pourquoi du comment que j'ai cette idée-là, pis pourquoi je fais ça. Non, toi, t'as décidé que Maroun, c'est un clown, pis Maroun, il en valait pas la peine, pis vous êtes juste des caves de vouloir l'exposer. T'as du pouvoir, toi, Marco, hein? Dénoncer les vraies affaires. Puis toi, Hélène Lafleur, là, c'est exactement pour ça que je t'avais chialé après quand j'étais conspi. Parce que je commençais à être plus conspi, puis on avait commencé à te contacter avec toi, puis je t'avais dit, ça serait le fun qu'on arrête d'être en guerre, conspi contre anti-conspi. J'ai jamais dit
que c'est à toi, le groupe Je t'expose, tu t'exposes. Au début. Marco, si tu avais le moindrement un peu de self-control, OK? T'aurais pas commencé à péter une coche après Lynn hier pour parce qu'elle t'a dit que tu fais un petit cacamou. T'aurais pas pété une coche en live parce que je t'ai juste demandé pourquoi tu m'as pas invité, t'invites juste Jonathan McCrory. Peut-être c'est moi qui comprends rien à la réalité, man. Mais... Début, là, 3 ans de ça, oui, je pensais que c'était à toi, ce groupe-là. Puis c'est là qu'on avait commencé à se parler. Tu vois-tu comment t'es hypocrite, Lynn Lafleur? T'es un esti d'hypocrite. Parce que même des vaccinés, même des anti-conspirés, t'en veulent, esti, ils veulent pas te parler. Toi, tu t'es pas juste chicané avec des conspirés, Lynn Lafleur, tu t'es chicané avec tout le monde. Désolé, je ne regarde pas les commentaires. Là, je suis tanné, là. Je suis tanné en esti de vos crises d'enfantillage, de tabarnak. Vous n'êtes pas capable de prendre vos vies et de faire des lives, c'est-tu qu'en vaut? Vous n'êtes pas capable de reprendre vos vies puis de faire des lives qui ont de l'allure? C'est qui me parle depuis tantôt de conspi, d'anti-conspi? Qui me parle de Carl Giroux, de François Maléga, de Sam Grenier, de d'Isabelle Cathy, puis de Manon Coutu. Vous êtes pas capable d'en prendre vos vies. Câlisse, Marco! Marco! Non, toi, tu veux que ça continue comme ça, puis qu'on continue à parler d'eux autres. Parce que quand t'arrêtes d'en parler, puis t'arrives d'autres sujets ou d'autres affaires, ton nombre de personnes qui s'en viennent t'écouter diminue. Comme j'expliquais tantôt, quand tu recommences à parler des conspirés, ça augmente. Tu penses qu'on n'en est pas assez intelligent pour avoir vu la manière que tu fonctionnes, man? Incroyable. La perle. Quand c'est rendu que vous êtes 10 tabarnak qui montrez des vidéos d'un puis de l'autre pour rire d'un puis de rire de l'autre, là, whatever, là. Hey, sacrement, là. Je sais qu'il n'y en a pas de règlement. Je sais que vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Mais Chris, pourquoi vous ne revenez pas à ce que vous étiez avant? Je reviens encore là-dessus. Dan, c'était... Pourquoi je reviens pas à ce que c'était avant, Marco? Parce que je suis passé à autre chose. Les non-vaccinés, les conspis, j'en ai rien à chier. Ils font leur vie, je fais la mienne. Ils dérangent plus ma vie. Puis, je fais ma vie. J'avance. Donc, je sors de tout ce qui est conspi, anti-conspi. Sais-tu quoi? J'ai le droit. J'ai le droit et j'assume le droit que j'ai. Si tu veux pas décrocher, Marco, là, continue. Encore, laisse-moi que tu fasses des lives sur Carl Giroux, Sam Grenier. Ah, c'est quand la dernière fois que tu as fait un live sur Sam Grenier, toi? C'est quand la dernière fois que tu as fait un live sur Carl Giroux? C'est quand la dernière fois que tu as fait un live sur François Léga? C'est quand la dernière fois que tu as fait un live sur Isabelle Cathy? C'est quand la dernière fois que tu as fait un live sur Manon Coutu? Mais c'est ça la priorité présentement, hein? C'est eux autres qu'il faut dénoncer, là! Pas marron. Les bottines ne suivent pas des babines, Marco. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. Très intéressant des astuces de live avant. Mammouth aussi, même chose. C'était très intéressant avant. Puis c'est pas pire parce que de temps en temps, il revient à l'essentiel. Quand il lâche la chicane avec l'autre, est-ce que, ben, gars, il fait des affaires puis qu'il dénonce le convoi puis tout, puis ça a de l'allure. Ça, c'est important de dénoncer ça. Ces arnaqueurs-là, est-ce qui empuffent le monde avec la peur puis qui essayent de dire que c'est les gouvernements qui font peur au monde puis que le monde, c'est des moutons alors que c'est eux autres, les est-ce de moutons.
Maroune, là, qui c'est qui en pif, lui-là, là? Il est en train d'organiser une manifestation? Ben non. C'est quoi qui vous fait peur, de Maroune? Oh, je vais envoyer la police chez vous? Ben non, c'est, tu sais. Vous savez bien que c'est un crise de clown, tu sais. T'as fait d'accord. Tout le monde est d'accord là-dessus pour dire que c'est un clown. Ben moi, il y a une affaire à maison. J'ai hâte que vous répondez dans mon prochain live que je vais faire avec Jonathan. Je reviens encore là-dessus. Il est aussi dangereux qu'un complotiste? Il est aussi dangereux qu'une mère, tu sais, qu'est-ce que j'ai montré hier comme vidéo avec ses enfants? Ça, ça mérite d'être dénoncé. Pas une estime Maroune en me disant que c'est les églises. Puis en plus, Maroune, il est tellement néfaste, hein? Il est tellement important d'être dénoncé que le gars, il bloque tout le monde. Ben oui, toi, hey, le monde, ils sont endoctrinés par lui en estime, il bloque tout le monde. Ben, parlons-en justement de ça, du blocage. Une des raisons pourquoi je présente mes lives, les lives de Maroune, pas mes lives, les lives de Maroune sur mon mur à moi, c'est qu'il y a plein de monde qui peuvent plus l'entendre. OK? Parce qu'ils sont bloqués. Mm-hmm. Mais dans ces personnes-là, ils ont partagé dans leur liste de followers, dans leur liste de demande Facebook, leurs personnes qui se retrouvent, qui sont pas bloquées dans la page à Maroune, puis qui l'entendaient des hosties de niaiseries, même, puis des menteries, puis des faussetés, puis de la manipulation. Donc, s'ils peuvent plus l'entendre, ils peuvent pas pouvoir parler à leur famille ou à leurs amis qui ont fait rentrer dans les followers à Maroune. Et il y a plein de monde qui me suivent maintenant parce que je fais ça avec Maroune. Parce que je dénonce Maroune. C'est plus ma liste d'amis, là, d'Humpty Dumpty Ray, là, n'est plus une question de conspi, anti-conspi. Je me retrouve dans la vie réelle, qu'il y a bien des affaires qui se passent en arrière de tout ce qui s'est passé par rapport au conspi, anti-conspi. Puis sais-tu quoi, Marco? J'ai le droit de faire ce que je veux avec ma page. Puis je vais le faire. Que ça fasse ton affaire ou pas. As-tu compris? Puis crisse-moi patience. Je te juge pas sur ce que tu fais sur ta page. Viens pas juger ce que je fais sur ma page. On continue. Crème la fleur. Décalisse, la fleur. Toi, là, t'es un esti... T'es une faiseuse de troubles, la fleur. T'es même pas capable de te regarder dans le miroir pis d'admettre quoi que ce soit. Y a rien de faux. Arrête, Lynn Lafleur. Arrête. Là, on sent ta violence, man, envers une femme, Lynn Lafleur. Lynn, t'es-tu encore dans le chat présentement? T'es-tu encore dans le chat, Lynn? J'attends de voir si elle va répondre. Lynn, est-ce que tu es dans le chat? OK. Je vais te poser une question, là, puis réponds-moi, là. On s'est chicané, moi, pis toi, déjà, hein, Lynn? Ça se peut-tu? Elle répond pas. C'est pas bon signe, je pense. Oui, hein, on s'est chicané. Est-ce que je t'ai déjà crié après ou manqué de respect, Lynn Lafleur? Est-ce que je t'ai déjà crié après ou manqué de respect? Mais non. C'est pas parce que je suis pas d'accord avec une personne que je suis obligé de crier après puis de l'insulter. C'est quoi cette manière d'agir-là, Marco? Réalises-tu à quel point que t'es? Tu réalises-tu à quel point que t'as de la violence en toi, man? Incroyable. Continue. Sacrement. Si t'as de quoi à dire, la fleur, là, pour une fois dans ton estivé, présente-toi dans un live.
Arrête de te cacher en arrière de ton esti d'ordi. Ça a été la même affaire quand je te conspire. T'as fait exactement la même esti d'affaire. Puis hier, quand j'ai fait mon live, là, je te l'ai mis dans la face que j'avais à la garde de mes enfants. Moi, je suis capable de dire des vraies affaires, hein? La vraie chicane qu'on a eue, l'une d'affaires, c'est à cause de ça. Marco. Le jour que tu vas comprendre que sur les réseaux sociaux, il y a une partie de toi qui doit rester privée, ben le monde se feront pas des idées sur toi, sur ta vie, sur ce que tu es vraiment. Est-ce que je suis différent? Non. Mais j'ai un jardin secret, puis ça va rester un jardin secret, Marco. Viens pas reprocher à du monde après d'utiliser les choses que tu mets publiques. Parce que la seule personne qui fait une erreur dans ce moment-là, c'est toi. Moi, c'est ma vie, les réseaux sociaux, Facebook, et je veux que tout le monde me connaisse. Il y a des calices de limite à savoir des choses sur la vie privée du monde. Puis là, tu t'en prends une femme encore, là, t'arrêtes pas, là, t'allonges pas, là. Tu sais, tu dis je suis un lover, man. Ah, c'est vrai, Marco, t'es un lover. Quand ça va bien. Mais j'aimerais pas être la femme quand t'es en tabarnak après. Dis ça, dis rien. T'avais à rejoindre ce type qu'on fasse de la paix entre conspire et anti-conspire. Dis les vrais astis d'affaires, ferme ta calisse de gueule, t'es un asti de suiveuse dans la fleur. Toi, tu suis Dan, là, pis t'écoutes tout ce que Dan fait, pis t'es là en train de faire ta vieille petite crise de chippie. Arrête, tu manques de maturité, tabarnak, pis t'es plus vieille que nous autres. Hey, je suis tanné, pis décolliste de mon esti de l'air. J'ai pas besoin de monde comme toi. Quand tu vois, tu viens espionner, là. Tu viens faire ton esti de dents, ton esti de granule de colliste. Parce qu'on demande à Jonathan, hey, je l'ai jamais insulté, moi, Jonathan. Pis t'es venu écrire, Marco, tu fais ton cacamou, fends ta colliste de gueule, la fleur. Pis si t'as quoi dire, présente-toi dans mon live. Hey, man. C'est important dans la vie d'avoir du self-control, pis là, t'en as pas pantoute. Tu te rends-tu compte à quel point t'es devenu enragé? À quel point que tu t'en prends à une femme encore? Tout ça parce que j'ai osé te demander, mais pourquoi t'invites juste Jonathan et non moi, pis qui s'en prend toujours à Maroune? Tout ça part d'une petite question où ce que tu aurais pu répondre tout simplement. Ah, ben, si tu veux rentrer dans mon live, ben, on fera un live à trois. Tout aurait arrêté. Tu te regardes-tu aller, man? Réécoute ton live, là. T'es épouvantable, Marco Desmarais. Ça n'a aucun sens. Et là, je te le dis, je dénonce la manière que tu parles de Lynn Lafleur. Que tu l'aimes ou pas, ça, c'est une affaire. Mais t'es pas obligé de parler comme ça. No fucking way, man, que je vais dire que tu as bien fait. Peu importe tes raisons. Peu importe les fucking raisons, man. On parle pas de même à aucune femme. Est-ce que je suis bien compris, là? Hein? Tu parles de moi? Oui, je vais parler de toi, mon esti de Christ d'hypocrite de la fleur. Quand là, je vais le mettre, l'esti de lien, le présente-toi, montre-toi là ton esti de face. Tu vas voir. Hey, ma sacrement d'hypocrite, toi, je t'écœurerai en esti de toi. C'est pas pour rien que votre bon cœur t'haïssait. Puis dans le temps des dimanches pis tout, les vidanges du dimanche, tout ça. Hein, t'as toujours été en conflit avec tout le monde, la fleur. T'es un esti d'hypocrite, il est temps qu'on te mette à ton esti de place. Il est là, l'esti de lien. Il est là, le calice de lien. Viens-t'en dans le live, la fleur. Viens-t'en. Viens répondre à mes questions. Bah ouais, c'est toi, c'est un con, hein? Tu te fais les astis de babelle, mais après ça, t'écris dans ton astis de groupe, t'écris des histoires, tu sors des astis de vocaux de moi qui datent de 3 mois, 6 mois, 7 mois, 1 an, astis. Tu expliques même pas le contexte. T'es une crise d'hypocrite, la fleur. T'es un... Je suis désolé, gang. Ça n'a pas de sens de parler de même à aucune femme. Mais même encore, une femme ou un homme, ça n'a aucun sens de parler comme ça en live d'une personne.
C'est épouvantable. Mais encore pire à une femme. Encore pire à une femme de son âge, même. Parce que elle t'a dit tu fais du cacabou. Mais si tu fais des cacatures, Marco, ça change quoi dans ta calice de vie? Elle a le droit d'avoir sa liberté d'expression puis de dire ce qu'elle pense. Elle t'a jamais insulté là-dessus. Mais je sais que vous avez des antécédents tous les deux qui remontent à quelques années. Mais peu importe les antécédents, Marco, t'as pas d'affaire à parler à une femme comme tu le fais là. T'as pas d'affaire à parler à une femme comme ça. OK? Merci, l'hypocrite, c'est pas pour rien que toi. Lynn, braille, tu vas moins pisser. Mais non, c'est une niaiserie, mais c'est la réalité. Ça aurait pu être n'importe qui, j'aurais dit exactement la même affaire, parce que c'est pas vrai que je vais accepter de la violence verbale, physique envers aucune femme. Ça a toujours été mon cas pour moi et ça sera toujours mon cas. Puis, ben c'est ça. Aujourd'hui, ça tombe sur toi, ma chanceuse. Va me calmer, là! L'esti de calice! Tu penses que t'es calmé? Là, je t'en ai en esti. Ben oui, tu suis dans, pis t'as le doigt, mais t'es une faiseuse de troupe. T'as fait exactement la même chose quand j'étais conspi, tabarnak. Sauf que je t'ai donné raison parce que j'étais conspi. Pour faire... Non, moi, je suis pas d'âme, moi. Moi, je suis pas d'âme. Je te crierai pas après. Mais viens dans le live. Tu vois même pas dans les lives de personne, tu mets les autres, sacrément. Tu te caches, la fleur. Mais t'as mis ça, ben, ils sont. Ça, c'est pareil comme la frayère pis toute la petite gang. Hein? Hier, ils sont là pis ils te font des pouces parce que, ils sont là, hey, c'est beau, Lien, c'est beau d'être là, Marco, qui fait son cacamou. Qu'est-ce que j'ai dit de mal, moi, Jonathan, hier? Hein? Viens m'expliquer ça, je te crierai pas après. Je suis pas dedans, moi, calice. Je vais te laisser parler. Hey, viens dans mon live, viens m'expliquer ça, hein, viens m'expliquer ça. Moi, là, je vais rester calme, hein, moi, je te crierai pas après, hein. Man, ça fait 5 minutes minimum que tu es en rage raide sur Lynn Lafleur. Ça fait 5 minutes que tu l'appelles à Lafleur. Comme deux gars qui s'appellent Filion au Desmarais. Hein, des toughs, là. Pas des Raymond pis des Marco. Non, des Filion pis des Desmarais. Ça fait tough en tabarnak. Tu fais ça avec Lynn Lafleur. La Lafleur. Wow, ça c'est impressionnant, hein? Calissement impressionnant. Puis là, toi, tu t'attends à ce que la personne avec ton agressivité pis ta violence disent « Ah, c'est une bonne idée, je vais aller me mettre en live avec lui et puis on va calmer la situation. » T'es-tu sérieux, man? T'es-tu sérieux? Tu vis dans quel monde, calice? De penser qu'une femme qui vient de se faire insulter puis qui vient de vivre de la violence parce qu'elle t'a demandé si tu faisais un petit cacamou va se présenter en live contre toi, man? T'es sérieux, là? C'est vraiment ce que tu penses? Calisse même que t'as pas d'allure. Va te faire soigner. Dan, il est pas capable de laisser parler le monde. Hein? Dan, moi, je l'ai tué. Pis, là, tu mets le Dan avec ça. Oh, hein? On va changer de sujet. Hein? On va parler au Dan The Rock. Parce que Dan The Rock, hein? Tabarnak, c'est une hostie de vermine, cette hostie de pourriture-là. Hein? C'est un calisse de cave, hein? On va s'en prendre à Dan The Rock. Tout d'un coup, là, oh, on va changer le sujet, on va amener ça à Dan The Rock. Calice. Et ça, sur ta vie privée? La seule fois que j'ai parlé de ta vie privée, c'est quand t'as parlé de mes enfants. Fait que j'ai parlé de ton gars, qui a un peu désagré. Tu veux-tu qu'on leur prenne cette histoire-là, la fleur? C'est pas parce que je suis plus conspire que j'ai pas le même caractère. Tu vas arriver deuxième en estime, ma calice d'hypocrite.
Ma calice d'hypocrite. Hey, ça, il y a du love là-dedans, mes amis. Hein? Ma calice d'hypocrite. Calice, man. T'as vraiment un problème avec ton self-control, man, pis de ton retiens-toi. J'espère que tu vas écouter ce live-là au complet, là, pis ça va te faire comprendre des affaires, man. Ça n'a pas de bon sens. Pis là, la gang qui vont vouloir m'abaisser, là, parce qu'on a vu tantôt, hein, que « Oh, Marco, ça va attaquer, vite, 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 on va défendre Marco, là! » Vous allez me mettre de l'avant, vous allez faire des montages, OK, pour prendre la défense d'un homme qui a été si violent envers une femme, peu importe qu'elle soit aimée ou pas, personne ne mérite qu'elle vive de la violence verbale et physique ou mentale, ni en live, qu'on l'aime ou pas. Ça ne se fait tout simplement pas. Vous voulez m'attaquer parce que je prends la défense de Lynn, là, présentement? Faites-le, tabarnak. Tout ça parce que Lynn s'entend mieux avec Dan The Rock? Mais voyez-vous à quel point vous êtes rendu malade? Êtes-vous en train de voir à quel point vous êtes rendu malade? Ça va pas dans la caboche? Faites-le, ça va juste continuer à montrer à quel point vous êtes des êtres minables. Puis que ça ne me touche pas. Vous allez pouvoir vous amuser comme vous voulez, j'en ai rien à chier. Calissement rien à chier. Parce que moi, j'ai jamais menti. Toi, tu mens, la fleur. Mal à Joe, va de bon cœur, mal à n'importe qui. Désolé de t'impliquer, Joe, mais gars, ils vont le dire, t'sais. Tu t'es pogné autant avec des vaccinés qu'avec des non-vaccinés, la fleur. T'en reviens donc à l'essentiel, tabarnak, hein? Pourquoi tu les dénonces plus? Pourquoi j'entends plus les dénoncer et conspirer, la fleur? Quand, là... Pourquoi? Parce qu'on a pensé à autre chose, Marco. Et... On n'est pas encore dans nos affaires d'il y a 3 ans, 4 ans, 2 ans. Non. On est rendu le 16 février 2024. Mm-mm. Pas le 16 février 2021. Il y en a coulé de l'eau sous les ponts. On en a fait des affaires. Mais on est rendu ailleurs. Tu veux vivre dans le passé, Marco? Fais-le. Laisse-nous patience. Nous autres, on réglera ce qu'on a à régler de notre bord. Puis on fera bien ce qu'on veut de notre bord. Comme j'en ai rien à chier, je retournerai plus voir tes lives. Parce que justement, parler des conspis, puis d'entendre parler des conspis, puis des anticonspis, puis je pense ailleurs, man. Je veux faire autre chose. Mais toi... Plus qu'il y a de monde qui écoute, plus que tu te fais de fun, Marco. Hein? Plus qu'on est de fun, plus qu'on a de monde, plus qu'on rit. Mais continue. Si c'est ça que tu veux, parler des conspis, t'auras plus de monde. Mais je suis pas obligé de faire comme toi. Hein? Puis je le ferai pas comme toi. Puis je vais faire mes affaires comme je l'entends, avec qui je l'entends, puis comme je l'entends. That's it. That's all. Oh, chicane! Je t'ai né ton esti d'hypocrisie, la fleur. Je t'en ai. T'es un esti d'hypocrite, pis il est temps qu'on te le dise en pleine face, pis ça date pas d'hier. Mais quand je te conspire, tabarnak, on riait de toi, parce que les anti-conspires, esti, se pognaient avec toi, la fleur. Avant que nous autres, les conspires, on se pogne entre nous autres. Ça a débuté là, cette histoire. Combien de fois tu t'es pogné avec Raymond Fillon? Hein? Combien de fois tu t'es pogné avec la gang des 10 dimanches? Pis t'accusais le monde de ci pis de ça? Pourtant, c'était la même groupe que toi qui dénonçait les conspires. Là, je m'arrêtais là. Fait que je veux juste vous le dire, le contexte, c'est ça. Là, arrive-moi pas, mais tu sais pas pour ma run, tu connais pas... Moi, je t'en ai anesti de vos astis d'affaires. Tu connais pas ci, tu connais pas ça. Non, non, tout ce que je vois, j'ai pas besoin de te connaître. Asti, c'est ma run. Tu sais, carac, c'est un clown. Tu sais, carac. Marco? Si t'entends ma run, t'as bien avoir des hosties de bonnes raisons de ça.
Puis la raison, ce serait-tu que tu sois dans le champ? Mm-mm. Si Maroun ne serait pas au centre de tout ce qui se dit, puis que tout le monde t'en parle autant, Marco, si personne t'en parlerait, il n'en vaudrait pas la peine. Mais si tout le monde t'en parle, puis plein de monde t'en parle, pose-toi des questions. Arrête de rester dans ta chambre à écho, de conspi d'il y a 2, 3, puis 4 ans. Il se passe quelque chose, même. T'as comprends-tu? Puis t'as le droit de pas être intéressé par ça. Mais arrête de juger le monde que ça les intéresse. Hein? Pourquoi rire de lui? Et viens pas me dire à moi que tu le dénonces. T'as rien à dénoncer. Le gars, il te parle de légumes, moi, d'aveugle. Qu'il a raison qu'il est tard, tabarnak. Viens pas me dire qu'il est aussi dangereux qu'un François Malega. Ben oui, je vais pouvoir te le dire. Ce petit calice, là, il est encore plus que François Malega. Hey, pouf! Hein? C'est ça. Fallait que je le dise, fallait que ça sorte. Cette valeur, Lynn, que je sors ton nom, mais toi, je commence à être tanné, surtout hier. C'est toi qui as allumé tout ça encore hier. Parce que moi, j'ai juste écrit une chose à Jonathan. Voyons donc, sacrament, là. Le gros hostie. C'est rendu que toi, tu prends le live à Maroun, puis là, l'autre hostie qui prend ton live à toi pour mettre le même hostie de live, puis là, après ça, ça donne comme excuse parce qu'il nous a bloqués. Ben, c'est ça, hostie. Et où l'essentiel? On a commencé à faire des lives. Pourquoi, Lynn? Pourquoi? Pose-toi la question. Pourquoi t'as commencé à faire des groupes anti-ci, anti-ça? Je t'entends plus souvent des chicanes des autres que dénoncer Carl Giroux comme tu faisais avant. Salut, Dom. Justement, Dom, si il est là pour faire des parodies puis des astis de bonnes parodies, lui, ça va à peine quand il dénonce un Maroun ou whatever parce qu'il a le don de le faire en parodie. T'as un voisin gonflable aussi qui l'ont fait puis tout. Là, je pense que vous avez fait le tour de la question puis je suis pas en train de le défendre, c'est un astis de clown. Tu sais, lui, plus qu'il dit des astis de clownerie, astis, ben c'est correct, ça. J'ai le droit de rire de lui. Mais regarde ça au bout de la ligne. Faut riage d'un pis de l'autre. C'est ça, la haine. Là, en ce moment, c'est de la haine que j'ai envers toi, Lynn, parce que je t'ai cœuré de tout ça. Vous êtes pas capable d'avancer, astis? Vous êtes pas capable de dénoncer des vrais astis d'affaires? De la guerre? De la haine? De la haine, même! De la haine, t'es-tu vraiment sérieux? Tu ressens de la haine pour quelqu'un où, oui, t'as des antécédents avec elle? Oui, fine, c'est vrai! Il y a personne qui remet ça en question! Mais de la haine, même! De la haine. C'est incroyable. Tu parles de guerre, tu parles de haine. Mais voyons donc, man. Va te faire soigner, là. T'en as vraiment besoin. Quand t'es rendu à avoir autant de violence en toi, Marco, là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui marche pas bien, là. C'est épouvantable, man, de dire des choses comme ça, là. C'est écœurant, man. Hey, le petit convoi, là, qui vole encore du monde, des convois. Le convoi de quoi, tabarnak? Qu'est-ce qu'ils ont à aller manifester quoi, là? Passer la petite pandémie. Hein? Où c'est que je vous vois? Hey, passer la petite pandémie. Mais c'est toi qui nous ramène encore à parler de tous ceux qui étaient en avant dans la pandémie? Je suis sans mots, man. Infini, là, cette petite pandémie. J'ai-tu lu? J'ai-tu bien entendu, là? Aïe, 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 aïe. Pfff.
vous acharnez sur un sujet qui est important de même. Ou c'est que je vous vois, ah, je veux même pas te lire, Lynn. Garde, Lynn, regarde, je te mets curé de toi, là. Je te mets curé de tes hosties de justification, là. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bye bye. T'es curé, vos hosties niaiseries. T'es bye bye, Lynn. Bye bye. Tu te fais un autre compte, là, un autre faux compte, là, pis tu viendrais se prenner comme une vieille crise de chez Piqueté. T'es curé, vos hosties niaiseries. Non, c'est pas toi, Nancy, c'est Lynn. Donnez-moi deux secondes. Régent, tu dis ça aussi, Adam va te faire soigner? Hey! Regarde-moi bien aller, Régent. Hey, Dan The Rock! T'as un hostie de problème, man. Va te faire soigner. T'as pas d'heure. Tu te rends-tu compte à quel point Dan The Rock était une pauvre merde? Que t'as pas d'allure? Hein? On n'agit pas de même sur les réseaux sociaux. T'as pas de bon sens. Hey, Régent, t'es-tu content, là? Je l'ai dit en live. Hein? Je parle de Dan The Rock. Je parle pas de Dan The Rock. Je parle de Marco Desmarais, de ce qui s'est passé. Toi, t'arrives dans mon live, Régent, puis tu me reviens avec Dan The Rock, mais décroché, câlisse! C'est quoi la petite problème, là? Dan The Rock, c'est pas le centre de l'univers. Ni Marco Desmarais. Sauf que Marco... Ah ouais? Ben, check-moi bien aller, The Rock, si tu penses tu m'impressionnes. C'est incroyable, Régent. T'es-tu content, là? Je l'ai dit en live. OK? Incroyable. Des crises de niaisage. J'en reviens pas, vous êtes pas capable, asti, de dénoncer des affaires qui sont bien plus néfastes avec tout ce qu'on voit de ce temps-ci. Encore hier à Montréal, asti, à Vaudreuil, Dorion, whatever, c'est des jeunes, encore, asti, ceux là-bas, à Kansas City, là, c'est encore des jeunes. Voyez-vous pas l'asti de montée de violence qu'il y a? Ben, la route. Mais toutes ces histoires-là de montée de violence, il nous reparle qu'il faudrait qu'on parle d'Amalega, de Giroud, de Grenier, de Isabelle Cathy. Calisse, man. Écoute-toi, là. C'est quoi tu veux qu'on fasse, là? Tu dis une chose, puis tu dis le contraire 15 minutes plus tard. Maroune. Je sais qu'on changera pas rien. Mais j'en reviens à l'essentiel. Quand avant, là, je dénonçais les conspis, là, pis que je disais que j'étais tanné, là, pis qu'il y a ben du monde qui me disait, Marco, non, continue. T'en as aidé un, t'en as aidé deux. C'était pas facile, ça a pas toujours été facile. Mais on a aidé au bout de la ligne. Pourquoi qu'on continuerait pas de bon? Oui, on a fait le tour de la question de certaines théories du complot. Oui, il y en a, comme j'ai dit, je suis allé m'acharner là-dessus parce qu'on a répondu à leurs questions et on les remis les faits. Mais justement, quand il y a une affaire comme le convoi qui se passe en ce moment, pourquoi vous vous acharnez pas à ça? Ben non, allez, on va montrer Bird. On va montrer Maroun, là. Ben ouais. Vous êtes même pas capable de l'admettre. Vous êtes en train de m'écrire de la bullshit. On me démarrait, tu connais pas le contexte. Nanana. Quand j'ai parlé avec Jonathan hier, il était d'accord avec moi. C'est vrai que Maroun, zéro dangerosité sur l'Internet. Mais oui, c'est un clown. Hein? Puis là, vous êtes en train de vous défendre. Parce que celui que je nomme pas... Jonathan McCrory, t'as-tu vraiment dit ça, toi? Que Maroun n'est pas un danger? Je penserais pas qu'il ait dit ça, Marco. Tu interprètes encore à ta façon. En tout cas. Non, là.
Justement, t'en as fait une publication. Je te lâcherai pas ma rôle tant si longtemps que tu vas être sur l'Internet. Pour aujourd'hui, tu savais m'écrire. Ben oui, je suis d'accord avec toi, c'est un clown. Et voilà. Pourquoi d'abord tu t'acharnes de même? Hein? Tu vois-tu comment c'est méchant? T'es un gars qui parle des deux côtés de la bouche, désolé. C'est pas parce que je dis que je suis allé de la chicane de l'Internet, pis que là, aujourd'hui, je m'en prends du monde, ça veut dire que je parle des deux côtés de la bouche. Non, hein? Non. Les autres, c'est ça qu'ils font, mais pas moi, hein? Mais non, ils font même avec moi, à peu près, là, mais... Oh non, non, ils parlent... Les autres, ils parlent des deux côtés de la bouche, mais pas moi, là. Moi, là, c'est pas le même que je... Oh non, 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 non! C'est là qu'à quelque part, je vous trouve très irresponsable dans vos analyses. Je dis pas que j'ai raison. Je vous amène un fait en ce moment. C'est pas ma vérité. C'est ça qui se passe pour de vrai. Je vois plus un esti de vous autres, tabarnak. Avant, quand je faisais les lives, je parlais des conspis. Chris, vous parliez des conspis, pis c'était correct. Vous dénonciez ça. Pourtant, je vois encore des Cargiro esti faire des esti de fake news, man. Pis des esti de montage vidéo d'Amélie Paul. Qui, encore une fois... Ben, tant mieux, Lynn, si je te fais rire... t'as dû passer par toute une gamme d'émotions tantôt, toi. Eux autres endoctrinent les esprits faibles puis perpétuent cette peur-là. Marco, il n'y a pas juste des conspis qui endoctrinent les esprits faibles. Ben non! Il y a du monde qui en ont eu rien à chier de la pandémie puis qui le font présentement. Dont un en... T'as pas, il s'appelle comment, donc? T'as pas, je me cherche son nom. On en parle régulièrement de ce temps-là, t'es un peu. Hey, aidez-moi la gang, je comprends, je me souviens plus, là. C'est quoi le nom du gars, là, qu'on pense qu'il est en doctrine, mais qui a pas rapport avec les mesures sanitaires? Attends un peu. Aïe. C'est à cause de lui que je suis en live présentement pour défendre le fait que je m'en prenne à lui. Attends un peu, comment il s'appelle, donc? Attends un petit peu. Maroun! Ah oui! Maroun! Qui endoctrine des pauvres personnes, man. Ouais. Mais c'est pas parce que toi, tu le vois pas, man, que ça existe pas. Perpétue à quelque part cette haine-là, parce que là, c'est là qu'on voit. Ah, si le monde dans vos gars, vous êtes des moutons, vous écoutez TVA, c'est bien plus important d'énoncer eux autres. Bien plus important. Carré du monde. Ben, salut tout le monde. C'est beau. Là, je l'ai fait mon cacamou, là. T'as le droit de le dire. Puis là, mon prochain live va être avec Jonathan. Vous allez voir. Tout ça... Sa frustration... a parti hier parce que Lynn lui a dit « Tu fais du cacamou. » Il finit son live frustré après avoir bloqué Lynn en disant « Là, je l'ai fait, mon cacamou. » Tabarnak! Si t'existais pas, Marco, faudrait qu'on t'invente. Vraiment, là. Quel personnage! Aïe, 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 aïe. Donc, la gang, c'est pas trop mon genre de m'en prendre personnellement à quelqu'un comme je viens de le faire avec Marco. Pourquoi je l'ai fait? Parce qu'il a nommé mon nom. Parce que dernièrement, il est full agressif par rapport à moi, parce que je suis comme pas dans son narratif, puis parce que je suis un ami à Dan The Rock. Ben, un ami. On s'entend, là. On se parle une fois de temps en temps. Puis, je m'en vais sur sa page pour écouter ses lives, ses spectacles qu'il fait. À cause de ça, ça fait pas l'affaire de Marco, parce que Marco a eu un très gros accrochage avec Dan The Rock. Et puisqu'on aime Marco, ben, pas Marco, mais Dan, on devient tous des ennemis à abattre. Puis on est prêt à partir la guerre.
C'est sérieux, là. Vraiment, là. C'est ça où est-ce qu'on en est rendu dans la vie? Quand tout simplement, tout aurait pu arrêter hier, facilement, en paniquant pas pour avoir une expression de « Bon, Marco fait son petit cacamou. » Puis qu'un matin, la seule question que j'y ai posée, sans engueulade, sans l'envoyer promener, sans m'attaquer à lui, a été de demander « Pourquoi que c'est juste Jonathan McCrory que t'as invité dans un live, puis pas moi, pour parler de Maroon? » Tout ça a donné à tout ce live-là. Puis là, Marco, le monde qui l'aime beaucoup, puis vous avez tout à fait le droit et la légitimité d'aimer Marco, ça je n'enlèverai pas à personne, vous avez décidé de devenir sur mon live, puis de s'en prendre soit à moi, ou encore aux personnes qui sont dans mon live. Moi, j'ai déjà dit, quand j'ai commencé avec ce compte-là, que je bloquerais personne. Jusqu'à ce que le monde aille trop loin dans les commentaires. J'ai pas pu tout voir les commentaires. J'ai déjà coupé, bloqué la mes des chasseurs. Et je vais regarder après, tantôt, les commentaires. Et je vais prendre l'action aussi que je vais mettre du blocage. Pas parce que je veux limiter la liberté d'expression. Parce que vous avez le droit d'avoir des idées sur moi. Vous avez le droit de d'être en désaccord avec ce que je fais ou ce que je dis, mais dans un respect. On peut dire à un cave qui est cave sans lui dire qu'il est cave. T'as comprends-tu? On peut dire à un cave qui est cave sans lui dire qu'il est cave. Mais ça reste un cave. Mais t'as pas utilisé le mot cave. Donc, tous ceux qui vont avoir fait des mauvais commentaires, puis qui vont avoir attaqué d'autres personnes dans ce live-là, je vous le dis tout de suite, vous allez être bloqués. Parce que je ne peux pas accepter ça. Là-dessus, la gang, je ne partirai pas une guerre, puis je n'irai pas dans le live à Marco de lundi au mercredi, parce que mon but, ce n'est pas de partir une chicane à long terme. J'ai dit ce que j'avais à dire, puis j'encouragerai pas d'aller sur une page ou de quelqu'un qui est aussi agressif et aussi violent parce qu'il s'est levé du mauvais pied. Donc, ce n'est pas par peur, j'ai aucunement peur, vous me connaissez, mais je peux pas. C'est comme lui donner la bénédiction de tout ce qu'il a fait aujourd'hui. Puis ça, je ne peux pas faire ça. Donc, maudit Under Rock, que t'es con. Mettez-vous à genoux devant moi, mes brebis. C'est ça. En gros, je pourrais pas... Puis ça va être de l'escalade, puis de l'escalade, puis de l'escalade. Puis pour tout... Pourquoi, en fin de compte, y apporter des personnes qui vont le regarder puis qui vont « Oh, oh, oh! » Non, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai déjà tout expliqué pourquoi je m'en occupe de Maroon. Puis si ça fait pas son affaire, qu'il fasse son chemin, je vais faire le mien. Puis that's it, that's all. Mais aujourd'hui, je ne pouvais pas laisser passer ses agissements, ses commentaires, puis son self-control qui a disparu dans cette journée. Donc là-dessus, la gang... Je vais vous souhaiter une très bonne soirée et si vous avez bien vu ou vous ne l'avez pas vu, il y aura une continuité avec un live de Dan The Rock International. The party is coming. Bye la gang. Love you guys.